e che insomma si configura davvero come uno sforzo di intelligenza collettiva degno di quanto Spinoza si augurava nella quarta parte dell'Etica. Quindi, prima di iniziare gli interventi di oggi, di iniziare la discussione di oggi, lascio subito la parola al professor Giovanni Matteucci per un saluto introduttivo ai lavori del pomeriggio e poi passeremo ai tre interventi nella forma che si è detto. Primi tre interventi in francese, eventuale risposta e confronto col professor Moreau e dialogo e dibattito a seguire. Professor Matteucci, a lei. Buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti quanti voi, è veramente un bellissimo compito compiere la prima inaugurazione di una giornata di studio in veste di direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione. Io ho preso servizio all'inizio di maggio, quindi è la prima volta che farlo in un contesto di questo tipo. Io mi scuso con gli amici francesi se parlo in italiano, ma anche per obbligo diplomatico si parla la lingua dell'istituzione che si rappresenta, ma mi scuso davvero perché parlerei volentieri in francese. Ma al di là di questo, spero che sia comprensibile quello che dico, ovviamente. Non ho niente di molto importante da dire, peraltro, quindi anche se non viene colto è lo stesso. Però ci tengo a dire che sono particolarmente contento che ci sia questa iniziativa per tanti motivi. Tralascio quelli soggettivi, affettivi e personali che mi legano a Spinoza come tale, ma questo è un discorso privato che non riguarda sicuramente voi. No, la cosa che mi fa veramente piacere è che non soltanto è un'iniziativa di rilievo scientifico, ma che ha le caratteristiche più agguerrite e aggiornate per mostrare come si può fare ricerca di alto livello e d'avanguardia, diciamo così, perché mettete insieme la presentazione di un'edizione critica che sembra la cosa più tradizionale del mondo, cioè un testo con la relativa filologia incorporata in note, eccetera, eccetera, con uno strumento, un veicolo che usato intelligentemente, appunto, come diceva prima Diego, ha dato la possibilità in questi mesi addirittura di essere ancora più attivi e interattivi rispetto ad altre. E credo davvero che questo sia un bel segnale di vitalità, insomma, della ricerca, questa capacità di reazione rispetto ad una situazione che di per sé è penalizzante, non nascondiamocelo, però insomma può anche essere usata con intelligenza, quell'intelligenza che appunto Spinoza ci insegnava a seguire piuttosto che a stare a lamentarci, a piangere o cose del genere. Insomma, è più importante rimanere intelligenti, insomma, e questo mi sembra un ottimo segno. E sono contento anche perché a Bologna comincia ad esserci, insomma, c'è una robusta tradizione, insomma, di studi spinoziani, ci sono colleghi del mio dipartimento che sono presenti qui, di settori diversi, e credo che sia opportuno fare massa critica in questi casi, quindi riuscire a diventare luogo di rilancio e di promozione di un'iniziativa nazionale o internazionale, come in questo caso, significa avere le carte in regola per continuare ad agire in questa direzione. È un invito che faccio ai colleghi e a tutti gli amici qui presenti. Insomma, Bologna è importante che venga usata e sfruttata per quello che può dare, anche per agevolare iniziative di questo tipo. Quindi io mi fermo qui, credo che abbiate cose più interessanti da ascoltare e da dire. Soprattutto sono soltanto, appunto, compiaciuto che questa iniziativa ci sia, che sia a partire da Bologna, quello almeno faccia centro su Bologna, almeno per questo momento, e mi auguro che ci sia presto, però questo lo dico senza retorica, anche un modo più tradizionale di vedersi, che magari quando riprendiamo la possibilità di movimento, eccetera, eccetera, di vedervi una volta anche riuniti a Bologna fisicamente per interagire più amichevolmente, visto che si parla di, appunto, Spinoza, qui l'amicizia è sempre una cosa estremamente importante, insomma. Grazie e buon lavoro a tutti quanti. Allora, ringraziamo ancora molto, moltissimo il direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna per questo saluto e sostegno a questa giornata delle nostre ricerche. Non so se Francesco, il professor Cerrato, vuole aggiungere qualcosa. No, io ringrazio Giovanni del saluto e assisto alla giornata, ho coordinato la mattina, quindi oggi sono spettatore, oggi pomeriggio. È stata già molto intensa, con interventi molto belli di Emma Barettoni, Mattia Mantovani e Leonardo Moauro,
che sono stati già molto partecipati e molto intensi. Bene, allora io direi di iniziare passando al francese, come vi dicevo, per i primi tre interventi e poi a seguire il dibattito. Comme je le disais, nous aurons deux interventions de Pina Totaro et Lorenzo Vinci Guerra qui discuteront du contenu du volume, des spécificités du texte latin et de sa traduction, et qui feront ensuite quelques brèves remarques introductives de ma part sur cet impressionnant travail de recherche. Elles seront suivies de la réponse du professeur Moreau et enfin du débat entre les participants. Disons tout d'abord que cette traduction est le résultat d'un long et patient travail de recherche de toute l'équipe réunie autour de Pierre-François Moreau. Cette édition de l'éthique comporte près de 700 pages, dont 300 de présentations et d'appareils critiques. Il s'agit donc d'un ouvrage excellent du point de vue philologique et philosophique, car il offre aux spécialistes de l'éthique, tant aux spécialistes de l'éthique qu'à un public plus large, des outils très précis pour la compréhension philologique du texte, mais aussi un appareil de notes qui compare l'histoire des interprétations philosophiques du texte et enfin des annexes. Vous trouverez à la fin du volume des annexes rédigées par certains des plus importants spécialistes européens de Spinoza, comme Fabrice Audier, André Charrac, Pierre-François Moreau, qui portent sur les exemples géométriques de l'éthique, l'abrégé de physique qui se trouve dans la seconde partie et la structure de la doctrine et sur la structure de la doctrine des affects. Dans ma première introduction aux interventions suivantes, je voudrais me concentrer sur deux raisons en particulier qui, à mon avis, rendent cette édition unique. La première raison est de nature philologique et consiste dans le fait que cet ouvrage propose, à partir de la longue préface d'une centaine de pages, une comparaison systématique entre trois versions fondamentales de l'éthique. La première est évidemment l'opéra posthume de 1677, édité par les amis de Spinoza, qui ont corrigé le texte en suivant les indications de Spinoza lui-même, afin d'uniformiser les latins et d'améliorer la cohérence d'ensemble du texte. Cette édition est la base, comme on le sait, de toutes les traductions et commentaires ultérieurs qui se sont succédés au cours des siècles. Cette édition plus a le mérite de faire le point sur la relation entre la version latine de l'opéra posthuma, la version néerlandaise parue toujours en 1677 dans les Nagelate Schriften et les manuscrits de 1675 découverts en 2010 dans les archives du Vatican. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous Giuseppina Totaro qui, avec l'Instruit, a édité ses manuscrits de l'éthique composés vers 1674 par Van Ghent pour von Schirnhaus, l'un des amis plus proches de Spinoza, qui à son tour a remis lors de l'été 1677 ses manuscrits de l'éthique à Nicolas Stenzen, qui a ensuite dénoncé l'éthique au Saint-Office. Et cette copie de l'éthique a enfin été transférée à la Bibliothèque Vaticane en 1922, et c'est grâce à Giuseppina Totaro et l'Instruit qu'elle était mise à jour et éditée. À ma connaissance, l'édition critique de Pierre-François Moreau et Pete Stenbacher, c'est la seule qui propose une comparaison systématique en quatre tableaux à la fin de l'introduction, entre ces trois textes. C'est-à-dire celui contenu dans l'opéra posthuma, celui contenu dans la Nagelate Schriften et la copie de Van Ghent. Et suit une analyse très précise des différences lexicales, typographiques et conceptuelles entre toutes ces versions.
Ce qui mi semble ici particulièrement intéressant, c'est le fait que Pierre-François Moreau et Pitzenbacher reconnaissent l'importance du manuscrit Vatican, non seulement du point de vue philologique, mais aussi du point de vue historique, en ce qui concerne la reconstruction des événements qui ont marqué la réception de l'éthique. Rappelons qu'en Italie, Paolo Cristofolini, dont nous conservons tous un souvenir empreint de respect et gratitude, a réalisé une édition récente de l'éthique en prêtant une forte attention aux variantes stylistiques et terminologiques du manuscrit Vatican. Le mérite de l'édition PUF est de reconstruire avec une rigueur terminologique et conceptuelle extrême les différentes formes lexicales qui composent les trois versions de l'éthique. Il est certain, d'autre part, que l'établissement du latin de l'éthique a besoin de la comparaison entre les sensibilités stylistiques et culturelles des éditeurs qui ont mis l'œuvre en forme, et ce afin de souligner, et je pense que c'est l'un des grands mérites de cette édition, qu'un texte de philosophie n'est pas le produit d'un pur esprit, d'une pura mens, dans les termes cartésiens, mais qu'il est nécessairement lié à la langue de son temps et à l'histoire de ses réceptions et de ses manipulations, qui en partie éclairent son sens, mais en partie les trahissent, inévitablement. En d'autres choses, ne disposant pas du texte autographe de Spinoza, et ne pouvant donc pas remonter au choix précis de l'auteur sur les termes particuliers, ce travail de comparaison entre les différentes versions devient fondamental. Pinatot et Lorenzo Vinci Guerra nous montreront les résultats de ce travail d'édition, tant à niveau de l'établissement du texte latin que de sa traduction française. La deuxième raison qui exprime, à mon avis, l'un des mérites de cette édition, cette fois d'un point de vue philosophique et conceptuel, consiste à l'attention portée au style de la philosophie de l'éthique et à la manière dont les changements de registre ou de style par Spinoza lui-même influencent la détermination des concepts. Nous savons bien que l'adoption par Spinoza de l'ordre géométrique pour la rédaction de sa philosophia a les mêmes justifications que celles exposées par Ludwig Meyer dans la préface au principe de la philosophie de Descartes. Dans les intentions de Spinoza, l'ordre geometricus est la traduction logique de l'ordre ontologique de la réalité à travers lequel la causa sui se produit dans toutes ses déterminations. Et cependant, l'éthique présente une voie parallèle d'exposition non géométrique du contenu philosophique qui émerge surtout dans les scolies, mais aussi dans les corollaires, les appendices, les préfaces. Dans ces textes, la démonstration des propositions s'éloigne de la rigueur géométrique de l'exposé pour s'appuyer sur des procédures rhétorico-dialectiques ou sur l'évidence de l'expérience même, jusqu'à l'utilisation par Spinoza de la littérature classique, de Cicéron à Sénèque, de Terence à Plutarque, que Spinoza avait appris à l'école de Van der Enden, apprenant les latins par cœur, grâce à la récitation des auteurs antiques et à la lecture de philosophes, anciens et modernes, d'Aristote à Descartes, avec lesquels l'éthique se livre en corps à corps continu. Cette édition a le mérite donc de relever les différentes couches stylistiques à travers lesquelles la prolixe démonstration géométrique, comme l'appelle Spinoza lui-même, est approfondie ou clarifiée. Mais cela soulève plusieurs questions. Par exemple, quel rapport y a-t-il dans l'éthique entre la langue de Cicéron et la langue latine des philosophes? Je pense au latin de la scolastique cartésienne que Spinoza a absorbé en lisant les principes et grâce au débat avec les philosophes cartésiens néerlandais, ses contemporaines. Le latin de Thomas d'Aquin du IIIe siècle est évidemment diffère de celui de la langue des savants de l'âge classique ainsi que du latin de la prose romaine. D'où les problèmes de composition ou des stratifications entre ces différents registres
que les amis de Spinoza tentent d'uniformiser dans la version de l'opéra posthuma en modifiant et en corrigeant les latins spinoziens qui présentent ce mélange de styles. Mais toutes ces influences compliquent les styles de l'éthique aussi sur le plan conceptuel et nous révèlent un texte beaucoup plus stratifié que ce que pense une certaine vision scolastique de l'éthique. L'éthique ne se réduit pas à l'ordre géométrique des raisons, pour reprendre le titre de la célèbre monographie de Marcia Guéroux sur Descartes, Descartes selon l'ordre des raisons, mais présente de nombreuses variations qui rendent les textes plus versatiles. Il suffit de penser au recours à la démonstration par l'absurde, la démonstration par l'absurde, dont Spinoza lui-même déclare dans la lettre 64 qu'elle est sa manière ordinaire de démontrer. Dans ce cas, la définition positive de l'objet à démontrer se transforme en un système de preuves qui oblige le lecteur à donner son assentiment en renversant le contenu d'une proposition à son contraire, afin d'en démontrer l'impossibilité. Il y a donc deux niveaux, à mon avis, de lecture sur lesquels se concentre cette traduction de l'éthique. D'une part, la version finale, conforme au latin classique de l'opéra posthuma, comparé à la traduction néerlandaise et la version des copistes. D'autre part, les problèmes de forme et de style d'argumentation qui affectent les textes spinoziens sur le plan philosophique. Dans mes conclusions, je m'attarderai sur deux cas avant de laisser la parole à Pina Totaro et Lorenzo Vinciguerra. Un premier cas consiste dans l'utilisation par Spinoza, dans la préface de la troisième partie, du terme puissance, qui est rendu par opéra posthuma comme potentia, alors qu'on lit dans les manuscrits vaticans le terme potestas. Dans la traduction latine des Passions de l'âme, Descartes parle de potestas absoluta, article 50, pour indiquer la domination de l'esprit sur le corps. Comment devons-nous alors entendre les termes qui signifient puissance dans ce cas? Si l'on choisit potestas, cela pourrait indiquer que Spinoza préfère ici les modèles cartésiens, et que l'Opi et que l'opéra posthuma a choisi d'harmoniser ces termes avec l'usage plus général des potentia. Il se peut aussi que Van Gendt se soit trompé en employant les termes cartésiens. En fait, comme le souligne Moreau et Steinbacher, il y a des passages de l'éthique où les usages des potences et potestas se semblent équivalents. Mais cela ne doit pas nous faire oublier, ajoutent les éditeurs, que potestas est au sens propre le pouvoir ou l'autorité que l'on a sur quelqu'un ou quelque chose, entendu aussi comme souveraineté en sens politique. Il ne faut pas non plus oublier que dans l'éthique, le terme potestas apparaît 35 fois contre les 198 pour potentia. Potentia désigne plus en général le pouvoir d'agir ou de penser qui fait directement partie, dans un sens ontologique, de la puissance de Dieu. Il s'agit donc d'un cas où le choix de la traduction d'un terme fondamental du lexique spinozien change le sens du discours philosophique. Un autre cas, où les versions sont en désaccord, est celui du chapitre 17 de la quatrième partie de l'éthique, dans lequel le terme capacitas est remplacé par le terme plus classique de Cicéron facultas. Dans ce cas, cependant, la leçon du manuscrit vatican représente de façon probable ce que Spinoza avait écrit. À la lumière de l'usage plus large que le terme capacitas exprime, compris non seulement comme une puissance ou capacité intellectuelle, facultas ingeni, mais dans le contexte de la quatrième partie de l'éthique, également comme capacitas que l'homme exprime, que l'homme exerce dans le contexte social et politique. Aussi, laissant la parole à Pina Totaro et Lorenzo Vinciguerra, qui développeront de manière beaucoup plus approfondie les thèmes que j'ai évoqués dans cette introduction, je pense que le mérite de cette édition critique consiste dans le fait qu'elle tient compte à la fois des différentes manières, manières ou variantes dont le texte de l'éthique était reçu, en proposant une comparaison équilibrée entre les différentes variantes. Mais aussi, elle présente une attention à la culture et aux formes de pensée d'exposition de Spinoza lui-même.
Ce travail sur la composante, ce travail sur la composante vivante, c'est-à-dire historique de la lettre, constitue les mérites de cette édition critique et est le résultat d'une longue tradition herméneutique française qui, de Materon à Jean-Marie Bessade, se retrouve jusque dans cette édition. Au chapitre 12 du traité théologico-politique, Spinoza, s'attaquant là à l'exégèse biblique, affirme, je cite, que rien ne peut être dit si justement qu'on ne puisse le déformer en l'interprétant de travers. Je suis convaincu que l'édition de l'éthique réalisée par Pierre-François Moreau et Pitzenbacher s'inverse la position spinozienne en nous montrant que les concepts philosophiques ne sont jamais les produits d'un esprit isolé, qui pense de façon cartésienne dans la vérité, mais sont le résultat historique d'une sensibilité culturelle et politique dont les textes nous restituent toute la complexité. La lettre ne tue pas, mais vivifie l'esprit. Lorsque le travail philologique de l'historien de la philosophie ne se limite pas à une reconstruction érudite des textes, mais découvre leur contradiction à la lumière des projets philosophiques, de la texture matérielle, des relations qui animent les textes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une histoire de la philosophie pensée de cette manière, et ce travail d'intelligence collective nous en donne un exemple lumineux. Je laisse donc la parole à Giuseppina Totolo qui prolongera cette introduction du côté des problèmes liés à l'établissement du texte latin. Et ensuite, professeur Lorenzo Vinciguerra, avant d'écouter la réponse du professeur Moreau et ouvrir ainsi notre débat. Merci à tous et grazie a Pina Totolo per il regalo che ci fa della sua presenza oggi. Le lascio la parola e ascolteremo attentamente ciò che ha da dirci. Grazie. Grazie a te Diego, veramente, e tu hai detto già moltissimo in questa tua presentazione, e allora io je voudrais commencer en disant que lorsqu'en 2011 le seul manuscrit existant de l'éthique de Spinoza a été découvert à la bibliothèque du Vatican, Lenz-Preuth et moi, nous avons décidé de publier immédiatement la transcription du manuscrit afin que la nouvelle de la découverte puisse être communiquée le plus tôt possible. Et les textes pouvaient être mis immédiatement à la disposition des chercheurs. Cependant, j'ai toujours été convaincue que les textes manuscrits conservés à la bibliothèque du Vatican ne pouvaient être considérés comme les textes de base pour la définition de l'édition critique de l'éthique. C'est certainement un document très important et unique en son genre. Pardon, j'ai... oui, vous pouvez me, vous m'écoutez? Oui, 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 on m'entend. Ah, oui. Excusez-moi. Et alors, c'est certainement un document très important et unique en son genre, qui a aussi une histoire très fascinante que j'ai essayé de reconstituer à partir de la découverte que j'ai faite en 1999 de la plainte de Niels Stensen contre Spinoza. Et dans sa plainte, Spinoza avait présenté au Saint-Office en septembre 1677, en fait, il affirmait d'avoir les manuscrits de l'œuvre de Spinoza chez lui et il déclarait son intention de vouloir remettre le texte entre les mains des inquisiteurs romains afin qu'ils pouvaient le lire et l'interdire. Et donc, à partir de ces mots de la plainte, j'étais convaincue que les manuscrits devaient se trouver à Rome. Et en fait, la copie découverte à la bibliothèque du Vatican est justement l'œuvre que Spinoza a livrée au Saint-Office peu de temps avant de partir pour son voyage au diocèse sur la mer du Nord qui lui avait été confié après sa conversion du luthéranisme au catholicisme.
Et il n'en demeure moins que, il n'en demeure pas moins que le manuscrit qui est désormais disponible en ligne sur le site de la Bibliothèque du Vatican n'est pas l'ébauche, le texte final que Spinoza voulait donner à l'éthique. On sait que ce manuscrit, qui a été écrit de la main de Peter van Kent, a probablement été confié par Spinoza à Ehrenfried van Tschirnaus pour l'emporter avec lui dans son voyage à travers l'Europe et finalement à Rome. À Rome, cependant, d'après ce que j'ai pu reconstruire, Tschirnaus l'a confié au scientifique et théologien danois Niels Stensen pour des raisons qui nous restent inconnues. Peut-être lui a-t-il seulement prêté les manuscrits, ou peut-être Tschirnaus a-t-il remis les manuscrits à Stensen pour les transmettre à Leibniz lors d'une étape du voyage de Stensen de Rome à l'Europe du Nord. Mais tout cela a été reconstruit parfaitement dans ce test que nous présentons. Et tout cela pour dire que Piet Steinbacher et Pierre-François Moreau ont parfaitement reconstruit à la fois l'authenticité de ce texte et son rôle et sa relation avec les autres témoins existants. Nous avons maintenant un texte qui, pour la fiabilité, l'exhaustivité et la richesse de la documentation, n'a pas d'égal parmi les œuvres de Spinoza. Dans leur introduction, les deux éditeurs, Moreau et Steinbacher, ont rendu compte de tout ce qui concerne l'édition, tant d'un point de vue philologique que d'un point de vue historique, critique, scientifique. Et donc, et pour ma part, je ne peux me concentrer que sur certains aspects spécifiques et montrer comment ce corpus si solidement structuré peut désormais constituer l'édition de référence pour les textes de l'éthique et aussi un outil indispensable de travail et d'interprétation. Évidemment, une édition critique est toujours un texte artificiel, c'est-à-dire qu'il est le résultat de comparaisons et d'interventions ultérieures, le produit d'une collation des témoins reçus, des textes originaux ou considérés originaux ou des références. Cela signifie que le texte d'une édition critique n'est pas le texte tel qui a été lu, pendant les siècles ou qui a effectivement circulé et sur lesquels les interprètes ont travaillé au cours des siècles. Et d'autre part, ces discours ne concernent pas seulement les éditions critiques, mais aussi les différentes éditions qui ont lieu au fil du temps. Dans le cas de l'éthique, par exemple, l'édition de Heinrich Paulus, publiée à Iéna en deux volumes, en 1802 et 1803, avec toutes ces erreurs et tous ces choix éditoriaux discutables, est cependant l'édition dans laquelle l'éthique a été lue par Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer. Je pense aussi à l'édition de Van Vleuten et Lant et de Karl Gebhardt, aux plus récentes de Carli, Mignini, Vermeulen. Et en effet, Moreau et Steinbacher écrivent dans leur introduction qu'un certain nombre de traducteurs du 19e, 20e et 21e siècle ont contribué à la critique textuelle par des corrections à des endroits ou des irrégularités dans le latin ou dans les renvois, laisser présumer une correction.
de telles corrections ont parfois été acceptées et donc incorporées dans cette édition lorsqu'elles ont paru justifiées à la fois, excusez-moi, par l'état actuel des recherches philologiques et par leur rapport au texte et au contexte. Et en tout cas, l'édition de l'éthique que nous propose Pierre-François Moreau et Pete Steenbakkers prend comme texte de référence principale, et c'est Diego l'a déjà dit, l'édition de référence principale, l'édition publiée dans l'Opéra Postuma. Cette choix est pour une série de raisons, toutes parfaitement justifiées dans leur introduction et notes, et toutes, à mon avis, absolument partageables. Alors, l'introduction vraiment très riche de cette édition de l'éthique nous rend vraiment compte de toutes les conclusions auxquelles sont parvenues les recherches qui se sont multipliées ces dernières années concernant la vie de Spinoza, l'édition de ses œuvres, l'histoire éditoriale, les langages philosophiques et son interprétation. Et à ces propos, je voudrais souligner des critères adoptés, et les choix éditoriaux et la capacité à rendre une image complète du travail effectué par les philosophes et ses amis. Tout d'abord, pour la première fois, nous avons ici, avec cette édition, un texte basé sur une collection systématique et complète des trois sources considérées. L'éthique, qui a été publiée dans l'édition latine des Deux Posthumes en 1667, les manuscrits du Vatican latin, et 12.838, et la traduction néerlandaise de Nagelaatse Schriften, la version belgica, également publiée avec la date 1677. Et sur la base de la comparaison de ces sources, nous apprenons, par exemple, que tous les premiers éditeurs des opéras posthuma ont limité leur intervention à des simples corrections stylistiques, évitant d'altérer la vraie parole du philosophe avec des modifications substantielles du texte. Et quant aux éditions postérieures au XVIIe siècle, il faut dire que le travail accompli jusqu'à présent par les différents éditeurs nous a toujours fourni un texte reconstitué à partir d'une édition précédente. C'est-à-dire, Geffreur a pris son texte de Paulus, par exemple, ou Gentile de celui de Van Vleuten et Land. Ici, dans cette édition, contrairement à toutes les tentatives précédentes, cette édition de l'éthique revient pour la première fois aux éditions originaux, aux trois textes de Opera Postuma, Bibliothèque Vatican et Nagelaatse Schriften. La reconstitution effectuée par Steenbakkers et Moreau démontre que ces trois sources doivent tous être considérées comme des témoins de même niveau, car chacune d'elles dépend directement et de manière autonome du manuscrit original de Spinoza qui a été perdu. Pourtant, l'évaluation différente de ces trois sources a conduit les éditeurs du texte latin, Focke Ackermann et Pete Steenbakkers, à ériger l'édition imprimée des œuvres posthumes comme l'ouvrage de base, sous réserve d'amendements et de corrections apportées lors de la définition du texte. Cela s'est produit pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les œuvres posthumes sont en fait les résultats d'une révision collégiale du latin original de Spinoza. Et à cet égard, il est intéressant de souligner peut-être la conviction
mûrit chez les différents interprètes concernant le latin de Spinoza. Comme le soulignent Steinbacher et Moreau, il s'agit certainement d'un latin non classique et non académique, mais pas pour cette raison défectueux ou erroné en soi. Le latin de Spinoza est une langue vivante et efficace qui doit être préservée et reproduite comme telle. Dans le passé, les soi-disant barbarismes ou erreurs présumées n'étaient souvent considérés comme tels que parce que certains termes ou expressions s'écartaient des formules classiques. C'est la raison pour laquelle, dans l'établissement du texte, ces expressions auparavant considérées comme erronées et n'ont pas été corrigées ou modifiées, mais conservées et légitimées. Et en effet, de ce point de vue, même des études récentes sur la terminologie latine ont confirmé ce choix et montrant comment la latinité de Spinoza soit profondément enracinée et couramment utilisée dans la culture intellectuelle de l'époque. Et quand à la version néerlandaise de Nagelaate Schriften, elle ne constitue pas le témoignage d'une autre tradition manuscrite différente. Cela signifie que, comme on dit dans l'introduction, comme nous lisons dans l'introduction, les divergences entre les deux versions posthumes ne sont pas des variantes d'auteur, mais s'expliquent par des fautes ou des interventions ou des éditeurs ou par des écarts qui remontent à la traduction de Peter Balling. Balling aurait traduit les deux premières parties de l'éthique. Et en plus, on refuse ici une autre série d'hypothèses acceptées depuis longtemps comme dominantes, mais qui se révèlent désormais sans fondement. Par exemple, la croyance que Nagelaate Schriften est témoignée d'un texte latin de l'auteur autre que celui utilisé pour les opéras posthumes. Et une autre hypothèse qui a longtemps été soutenue et qui est maintenant dépassée est que Spinoza a écrit plusieurs manuscrits différents de l'éthique. Autrement dit, Lant, Leopold et Gebhardt étaient convaincus que Joseph Postum, Opera Postuma et Nagelaate Schriften avaient documenté différentes versions dans le développement de l'éthique. Selon cette hypothèse, les termes latins qui apparaissaient en marge de Nagelaate Schriften et proviendrait d'un original latin qui témoignerait donc des variations, d'oscillations dans la langue de l'auteur. Mais avec cette édition que nous avons aujourd'hui, toutes ces hypothèses sont à considérer maintenant comme non fondées. Et le latin des opéras posthumes est assumé comme la leçon qui fait autorité. Steinbacher et Moreau citent de nombreuses preuves à l'appui de cette thèse. Et parmi les exemples qu'ils présentent, je ne citerai qu'un ou deux cas qui me semblent assez significatifs. Tout d'abord, les cas des termes « ens »,« res », « aliquid », qui sont définis dans Opera Postuma comme des termes trascendentales dicti, c'est la deuxième partie de l'éthique, proposition 40 scolium. Mais dans les manuscrits vaticans,
Ces termes sont indiqués comme supra-transcendentales. Et cette dernière leçon apparaît également dans la glosse marginale de Nagelati Schriften, dans la traduction de Balling, en fait, nous lisons Ofer Klingende. Et donc, nous sommes confrontés à un cas où, selon toute probabilité, Spinoza avait effectivement écrit supra-transcendentales. À leur tour, les amis de Spinoza ont corrigé et remplacé par le simple transcendentales la liaison supra-transcendentales de l'autographe spinozienne qu'il considérait probablement trop barbare ou trop excentrique du point de vue linguistique. Et donc, le terme transcendentales a été l'option choisie dans cette édition de l'Épique. Mais on peut voir un autre, dans un autre cas, au contraire, et, Stenbacher et Moreau, avec Ackermann, ont plutôt décidé de restaurer l'expression originale utilisée par Spinoza. C'est le cas du syntagme vita vitalis, la dernière partie de l'éthique, le chapitre 5 de l'appendix, que les éditeurs des œuvres posthumes avaient à leur tour corrigé par vita rationalis, considérant peut-être trop répétitive ou pléonastique l'expression vita vitalis. On peut se demander, dans ce cas-là, s'il ne pourrait être aussi légitime, alors aussi dans les cas précédents, de maintenir la leçon spinozienne originale super transcendentales, non? Pourquoi la substituer avec le simple transcendentales? D'autant plus qu'elle est attestée dans de nombreuses sources contemporaines, comme nos éditeurs Stenbacher et Moreau ne manquent pas de signaler dans leur appareil de notes au texte. Mais je ne vais pas discuter des choix textuels et des cas individuels, mais au contraire, je voudrais plutôt souligner l'autorité que représente le texte des opéras posthumes. Et c'est une autorité justifiée sur la base de la conviction selon laquelle, comme l'écrivent nos éditeurs, tant que nous n'avons pas à notre disposition l'autographe de Spinoza, une reconstruction du texte de l'auteur est une chimère. Donc, et nous avons une image maintenant, nous avons une image beaucoup plus claire de ce qui a fait quoi, c'est-à-dire de la responsabilité éditoriale des amis de Spinoza. Dans l'introduction et dans les notes de ces volumes de l'éthique, Stenbacher et Moreau ont très bien documenté et reconstitué les différents choix et l'approche adoptée par rapport aux interventions spécifiques qu'ils ont faites sur les textes de Spinoza. On sait maintenant que la comparaison des trois sources analysées et la reconstruction de leur histoire textuelle nous permettent de conclure que entre le début de 1675, c'est-à-dire à l'époque où les manuscrits du Vatican étaient probablement copiés, 1674, insomma, et copiés de l'autographe de Spinoza. Alors, entre le début de cette année et la mort du philosophe en février 1677, aucune modification essentielle n'a été apportée au texte par l'auteur, ni de véritable révision ou une réécriture de l'éthique. Cela signifie que l'hypothèse proposée par Gebhardt
selon laquelle Spinoza continuait de retravailler et d'attendre sans cesse la réécriture de ses textes, peut désormais être définitivement écarté. Par conséquent, doit également être abandonnée la conviction selon laquelle, pour la définition du texte de l'éthique, il est nécessaire de prendre en compte toutes les insertions et ajouts de Nagelate Schriften, comme l'a fait Karl Gebhardt, notamment en ce qui concerne l'établissement du texte des parties de la première et de la deuxième partie de l'ouvrage. Alors, tout cela pour signaler les nombreux aspects de nouveauté et d'originalité du point de vue historico-critique, linguistique, textuel de cette édition. Elle nous offre aussi la possibilité de mettre enfin de l'ordre dans la profusion d'éditions, d'hypothèses et de vérifications textuelles qui se sont accumulées et multipliées au fil du temps. Et encore, la paracritique qui accompagne le texte de cette édition est certainement solide et systématique, mais aussi à la fois agile et facilement fouible, utilisable. Et n'oublions pas que les éditions de Van Vleuten et Land 1882, par exemple, manquaient complètement d'apparacritique et que Gebhardt ne rendait pas compte des choix et des variantes terminologiques dans un véritable apparat de référence. Gebhardt a offert une Textgestaltung sans doute utile et riche, mais en même temps très hétérogène et donc quelque peu confuse. C'est-à-dire qu'au-delà de son entreprise, certainement très méritoire, Gebhardt a rassemblé commentaires personnels, formulations d'hypothèses de travail anciennes et nouvelles, variantes textuelles, etc. Mais aujourd'hui, grâce à cette nouvelle édition de l'éthique, nous avons enfin un texte fiable et un apparat en même temps rigoureux et facile à consulter. Je pourrais donner des exemples, mais c'est difficile ici d'expliquer que les éditeurs du texte ont éliminé, par exemple, la répétition du terme « actu » et la démonstration dans la première partie de l'éthique, proposition 30. Ils ont corrigé le texte de la quatrième partie, proposition 9, manifestement imparfait. Et ils ont résolu une énigme philologique difficile dans la quatrième partie, proposition 66, avec l'inclusion de la formule « pre bono ». Alors, il s'agit seulement de quelques interventions, mais qui sont décisives et en tout cas toujours très bien documentées dans les notes, et dans certains cas avec des notes très détaillées. Et comme par exemple, je cite la note 255, qui prend environ 4 pages pour expliquer que le texte est manifestement corrompu dans ce point, qu'aucune des sources, et donc Opera Postuma, Bibliothèque Vatican et Nagelate Schriften, n'offrent une leçon acceptable. Et les conjectures proposées par les différents éditeurs n'ont pas fourni de solutions satisfaisantes. Alors, je voudrais encore souligner que cette édition donne des nouveaux matériaux pour des recherches ultérieures, par exemple sur l'utilisation, Diego Dana qui m'a précédé, il a déjà dit quelque chose à ses propos, sur l'utilisation de l'ordre géométrique par Spinoza. Je me réfère en particulier à la première des annexes consacrée à l'utilisation d'exemples mathématiques par Spinoza, édité par Fabrice Ollier.
La deuxième annexe, éditée par André Charrac, est consacrée à la soi-disant abrégée de physique de l'éthique. Dans la dernière annexe, Pierre-François Moreau a édité un tableau très intéressant sur la vie affective et toutes ces annexes peuvent vraiment inspirer, constituer la base pour des nouvelles recherches. Mais je voudrais également attirer l'attention sur les tableaux 3 aux pages 85-91 où sont répertoriées les variantes dans les formules terminales des démonstrations. C'est un outil qui met en évidence un aspect peut-être moins frappant, frappant pour ainsi dire, mais certainement pas moins significatif que d'autres. De ces pages, nous apprenons que Spinoza utilise différentes variantes pour conclure les formules de ses démonstrations. Le terme le plus utilisé est « quod erat demonstrandum », une typique formule euclidienne. Cette formule est présentée dans les témoins latines « Opera Postuma » et « Bibliothèque Vatican » avec l'abréviation QED. Dans les Nagellate Schriften, nous trouvons des formules équivalentes qui, dans la traduction française, peuvent être rendues avec ce qu'il fallait démontrer ou comme il fallait démontrer. Alors, la première formule apparaît 97 fois. La seconde, 90 fois, 187 fois complétive en tout. Alors, dans les 32 autres cas restants, cependant, la formule finale de chaque démonstration est complètement absente. Or, puisque l'utilisation de ces formules est répétée exactement au même endroit dans les trois témoins de référence, nous avons ici la preuve que les trois sources utilisées reflètent fidèlement l'autographe de Spinoza et que cet autographe est unique. En bref, je veux montrer avec ce petit exemple que les données fournies dans cette édition contribuent toutes largement à focaliser ou à reconstruire les sources, l'histoire éditoriale et le contenu du texte. Cet argument est également valable et plus encore pour toute la série de problèmes posés par les innombrables renvois présents dans l'éthique et souvent difficiles à résoudre. Et ici, je me réfère en particulier à la question toujours très débattue par les interprètes des références internes à des scolies ou corollaires qui n'existent pas dans les textes, ou à des propositions qui ont plus d'un scolium ou plus d'un corollaire, sans préciser de quel scolium ou corollaire il s'agit. Et je voudrais également mentionner la présence d'un outil supplémentaire pour la navigation de ce texte et dans d'autres textes de comparaison, c'est-à-dire d'un appareil spécifiquement destiné à identifier des passages parallèles dans les œuvres de Spinoza et chez d'autres auteurs. Très, très utile aussi cet appareil. Et encore, une attention particulière a été portée à ce qui est défini avec une expression curieuse pour nos italiennes, la toilette du texte, c'est-à-dire la ponctuation du texte, grâce à laquelle
Ackermann, c'est Ackermann qui l'a fait, grâce à laquelle Ackermann a assuré la meilleure lisibilité du texte. C'est une intervention très importante parce que, et comme le disait Raymond Carver, il n'y a pas de fer qui puisse percer le cœur avec plus de force qu'un point placé au bon endroit. Alors, et toujours dans l'optique d'une plus grande lisibilité du texte, il faut également noter la reproduction de l'éthique du point de vue typographique. En ces cas-là, les éditeurs ont respecté la structure des deux œuvres posthumes, c'est-à-dire la mise en page graphique des œuvres posthumes, qui a permis de voir en évidence les définitions et les propositions transcrites en caractères plus grands par rapport aux scolii, par exemple, imprimés en caractères plus petits. Le résultat est que la structure de l'Ordo Geometricus est ainsi exaltée et rendue graphiquement grâce à une scalarité des caractères. Alors, je voudrais conclure en exprimant une fois de plus ma plus grande admiration pour la précision et la richesse de cette édition du texte latin et pour la clarté et la beauté de la traduction française. Mais je voudrais aussi profiter de cette rencontre pour proposer un projet que je n'ai jamais eu l'occasion de mettre en œuvre. Et lorsque la situation de crise provoquée par cette pandémie sera enfin résolue, je pense qu'il pourrait être très intéressant de consacrer une de nos conférences à tous les plus importants éditeurs et traducteurs de Spinoza, des plus anciennes à ceux du 19e siècle, par exemple. Paulus, de Freurer, Riedel, Bruder, Ginsberg, c'est-à-dire les protagonistes de l'affaire allemande qui s'est définie après le soi-disant panthéisme strike, jusqu'aux éditeurs plus récents. Par exemple, je voudrais certainement en savoir plus sur les libres penseurs néerlandais et spinozistes militants Johannes van Vleuten, mais aussi sur les théologiens, philosophes et pasteurs Karl Hermann Bruder, ou, pour passer à l'Italie, sur Giovanni Gentile, qui a édité le texte latin de l'éthique pour la collection des classici della filosofia chez La Terza en 1915. Et donc, enfin, pour toutes les conclusions et les suggestions que nous avons acquises à travers cette nouvelle et définitive édition de l'éthique, je voudrais vraiment remercier Pierre-François Moreau, et Pete Stenbakers et aussi Fokke Ackermann et tous ceux qui ont contribué de diverses manières à la réalisation de cette œuvre. Merci, merci. Alors, merci beaucoup à Pina Totaro pour cette mise en perspective historique du rapport entre les éditions fondamentales de l'éthique et sa réception au fil des siècles. Je donne maintenant la parole au professeur Vinci Guerra avant d'écouter la réponse du professeur Moreau et éventuellement du professeur Stenbakers que j'ai vu connecté auparavant. Lorenzo. Voilà. Buonasera, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Très bien, alors c'est très difficile de prendre la parole en dernier puisque quasiment tout a été dit par Diego et Pina, donc je m'excuse dès à présent des redites qui vont être faites dans mon intervention. D'abord, je voudrais commencer par remercier la Società Spinoziana italienne pour cette initiative et d'avoir réuni Pierre-François Moreau, Stenbakers et Pina Totaro, c'est-à-dire des éditeurs et des traducteurs non seulement de l'éthique, mais aussi du traité théologico-politique,
puisque, il ne faut pas l'oublier, mais Pierre-François Moreau a commencé à inaugurer les œuvres complètes de Spinoza pour la collection Epiméthée de Puff en 1999 avec ce premier tome, qui est en fait le troisième de la série, consacré au traité théologico-politique, et que Pina Torre elle-même a édité et traduit le Trattato Teologico-Politico pour les éditions Bibliopolis de Naples. Et puisque les présents sont bien là, même si virtuellement, je voudrais aussi évoquer la présence des absents qui nous ont quittés, qui ont participé, Pierre-François le fait remarquer dans son introduction, qui ont participé avec leur savoir et leur recherche à l'établissement du texte, et notamment Focke et Ackermann, sur les travaux duquel on doit beaucoup pour l'aspect notamment philologique, mais également Jean-Marie Bessade, qui avait dans un premier temps la charge de mener à bien l'édition et la traduction du texte de l'éthique, et également Alexandre Matron, qui avait relu, je crois, et avait participé à la discussion sur le texte de l'éthique, et enfin l'autre éditeur et traducteur de l'éthique, cette fois-ci italien, Paolo Cristofolini, qui nous a aussi quittés il n'y a pas longtemps, et qui a été le premier à faire une deuxième édition, puisque sa première édition de l'éthique, les traductions remontent à 2010, et en 2014, après avoir pris connaissance de la découverte du manuscrit du Vatican, il fait une deuxième édition. Et donc, c'est lui le premier, si vous voulez, qui édite et traduit l'éthique au vu de, de ce troisième texte. Alors, on peut rajouter aussi que ce quatrième volume, quatrième tome des œuvres complexes de Spinoza, appartiennent à un projet qui est né dans les années 90 et peut-être avait été discuté même avant par les spinozistes français en lien étroit avec les spinozistes italiens pour justement lancer ce projet qui dure depuis maintenant plus de 20 ans, de enfin donner aux lecteurs français une nouvelle édition complète des œuvres avec un nouvel appareil critique de manière à dépasser, si c'est possible, et apparemment ça l'est, l'œuvre qu'avait laissée Gebhard dans les années 20. Alors, on peut donc dire, juste pour l'introduction, que les Français sont en train de réussir ce que les Italiens avaient aussi en projet de faire, c'est-à-dire de publier toutes les œuvres de Spinoza. Il ne manque plus que la correspondance et, je crois, le compendium, dont peut-être Pierre-François nous donnera des nouvelles tout à l'heure. Alors, cette édition critique, avec sa nouvelle traduction, son appareil de notes, ses tableaux comparatifs, ça a été rappelé, ses annexes, fait faire, je crois, un nouveau pas important à l'histoire de l'édition de l'éthique de Spinoza, et donc aussi à sa future réception. D'abord, surtout, et ça a été rappelé par Diego et Pina, d'abord parce qu'elle intègre l'histoire de l'édition critique elle-même, depuis, comme l'avait fait de son temps, au moins Karl Gebhard. Si bien que désormais, nous avons, sinon, une autre histoire de l'édition de l'éthique, du moins une histoire qui est à ce jour la plus complète et la plus détaillée. L'introduction, qui fait quand même 100 pages à l'éthique écrite par Pierre-François Moreau et Piet Steinbacher, l'introduction donne un clair aperçu de cette histoire de la critique textuelle depuis la quasi-absence d'études philologiques de l'édition de Paulus, celle à laquelle avait collaboré Hegel dans le contexte de Panthéisme Austral, ça a été rappelé par Pina, jusqu'à, je disais tout de suite, jusqu'à la dernière édition de Paolo Cristofolini, qui est le premier à prendre en compte le manuscrit Vatican. Il ressort de cette introduction une historisation en deux phases des éditions de ce texte. Première phase, celle que Pierre-François Moreau appelle les éditions anciennes, qui occupent en grosso modo la grande partie du XIXe siècle, de 1803 à 1874, et qui comprend évidemment Paulus, dont le texte a été utilisé par Fichte, Schelling, Hegel
Hegel et Schopenhauer, Groefer, Riedel en 1943, qui certes n'ont pas une grande valeur philologique, comme le souligne l'introduction, mais qui se contentent grosso modo de reproposer les opera postuma. C'est avec le théologien, philosophe et pasteur Bruder, dont on aimerait effectivement savoir un peu plus, toujours en 1843, que l'éthique de Spinoza commence à circuler très largement et qui, selon cette introduction, marque un retour aux sources, avec notamment des innovations typographiques, je reviendrai tout à l'heure, dans les paragraphes, dans l'orthographe, à laquelle s'ajoute l'édition de Ginsberg, qui est plus informée, puisqu'elle est informée de la découverte du court traité, dont on n'a pas dit grand-chose, mais qui, bizarrement, ne l'intègre pas dans son édition. Si elles doivent, d'un point de vue philologique, ces éditions être considérées assez pauvres d'un point de vue philologique, en revanche, leur grand mérite a été celui de diffuser, d'une large manière, les textes de Spinoza tout au long du XIXe siècle. À cette première phase s'ensuit une deuxième, sous le nom des éditions récentes, qui ont pour base l'édition de Van Vleuten-Land, 1882-1883, et celle de Gebhardt, 1925, ainsi que celles qui se sont inspirées de ces deux éditions, à savoir Appune en France, Gentile, Blumenstock, et encore plus récemment, donc Bartuchat et Cristofolini. Van Vleuten-Land est la première édition qui tient compte des Nagelaten Schriften et qui se base sur les compétences philologiques, notamment de Land. Donc elle marque effectivement dans cette histoire un changement et une amélioration du point de vue scientifique. Ce travail est repris et amélioré ensuite par Meyer, d'abord, et surtout par le poète et philologue Leopold. De fait, depuis l'édition de Paulus, tous les éditeurs se sont appuyés sur les opera postuma. Et on verra que de ce point de vue, mais ça a été déjà dit, l'édition de Père François Moreau et de Piet Steinbacher, au fond, ne font que confirmer le rôle premier des opera postuma. La découverte du manuscrit du Vatican, puis l'édition de Sprüth-Tautaro, son édition de Sprüth-Tautaro en 2011, change la donne, puisqu'on a à présent un jeu à trois bandes, si vous voulez, entre aux deux textes de référence qui étaient les opera postuma et les Nagelaten Schriften, s'ajoute désormais cette copie en latin de Van Ghent, qui ensuite a été passée à Tschirchnaz, qui le cède à Stenon, et qui ensuite le livre, comme on sait, au Vatican. On peut dire qu'avec cette édition des PUF, l'édition française conduite par Pierre-François Moreau, mis à part celle de Cristofolini que j'ai rappelée, est certainement celle qui offre l'établissement de la lettre la plus mûre et équilibrée et dont nous pouvons aujourd'hui disposer. On peut donc penser qu'une troisième phase va s'ouvrir à partir, troisième phase de recherche, va pouvoir s'ouvrir à partir de ce texte et de cette traduction. Après la découverte et l'édition de la copie manuscrite de l'éthique effectuée par Van Ghent, on a pu penser qu'il fallait désormais s'appuyer davantage comme une source première sur ce texte. Or, ce n'est pas la ligne, ça a été dit et ça a été confirmé par Pina Tortora, ce n'est pas la ligne suivie par l'édition dirigée par Pierre-François Moreau ici. Car s'il est bien vrai que le texte du Vatican, je le cite, permet de reconstruire l'historique du texte et de corriger ou confirmer un certain nombre de leçons, il ne peut pourtant pas servir de texte de base pour une édition critique de l'éthique. C'est une copie écrite en grande hâte, et c'est quelque chose qui émerge souvent dans l'introduction, la hâte dans laquelle les amis de Spinoza travaillent, la hâte dans laquelle Van Ghent recopie le manuscrit Spinoza. C'est une copie écrite en grande hâte qui a seulement servi à Tschirchnaus d'exemplaire personnel non supervisé par Spinoza, ni même contrôlé par les copistes avec sa source. Fin de citation, page 48. Alors, je suis heureux de voir que Pina
aujourd'hui confirme tout à fait cette lecture et cette voie d'accès au texte, si bien que cette édition informée, certes, des leçons de la Vaticane et de ceux qui la précèdent, propose finalement de repartir des opéra postuma et d'amender le texte des opéra postuma. Car quant au statut du texte découvert dans les fonds du Vatican, il y a donc des accords avec Léo Sprut, du moins, selon lequel la copie de Van Ghent est plus proche de l'autographe de Spinoza. Note 99, toujours à la page 48. Selon Pierre-François Moreau et Steinbacher, le manuscrit du Vatican et les opéra postuma sont aussi éloignés l'une que l'autre de l'autographe de Spinoza que, malheureusement, nous n'avons pas. Or, les opéra postuma ont l'avantage d'avoir été publiés par les amis de Spinoza, sous la direction, ou en tout cas en suivant les instructions de l'auteur. Néanmoins, et c'est ça, je crois, la nouveauté qu'apporte cette édition, néanmoins, les opéra postuma, fruit d'un travail éditorial au contact de l'autographe spinozien, ne représentent pas, je cite l'introduction toujours, ne représentent pas directement le texte même de Spinoza. Si bien que les opéra postuma peuvent, voire doivent, le cas échéant, être amendés, mais pas nécessairement, justement, dans le sens de la Vatican. Par ailleurs, c'est d'ailleurs plutôt le contraire qui se passe, c'est que quand on confronte la Vatican et les opéra postuma, dans la plus grande partie des cas, avec quelques exceptions que je vais rappeler, c'est plutôt la lecture des opéra postuma qui est retenue. Par ailleurs, le latin de Spinoza, comme il a été déjà rappelé, est formé à plusieurs sources, et après Ackermann, les études d'Ackermann, de Cajanto, de Bessade, Moreau remarque par exemple une certaine négligence envers la concordance des temps, une certaine rudesse syntaxique du latin de Spinoza. Il faut en tenir compte pour évaluer les choix de Van Ghent, d'une part, ainsi que ceux des rédacteurs et des traducteurs hollandais, notamment Balling pour les deux premières parties de l'éthique et Glasmacher pour les trois dernières, la troisième, la quatrième et la cinquième. D'où il apparaît aussi la grande maîtrise, non seulement du latin, mais aussi le professionnalisme de Glasmacher, qui est un traducteur avisé et de l'époque. Les éditeurs des opéra postuma sont souvent intervenus pour corriger justement ces rudesses syntaxiques. Et donc il devient difficile, selon Pierre-François Moreau, de deviner, voire même de, est-ce bien, encore bien utile de le faire, d'essayer de deviner le latin de Spinoza derrière les corrections des opéra postuma et ou des préférences affiché par Van Ghent pendant sa copie du texte. Par prudence, on suit donc, encore une fois, les opéra postuma. Si bien que cette édition, pour résumer, a suivi les orientations suivantes. Premier point, ça a été dit, rappelé par Pina, les Nagelate Schriften sont considérées comme le texte de référence, non comme témoin d'un autre texte de l'auteur. Donc on abandonne, je ne sais pas si c'est définitif ou pas, à moins qu'on découvre un autographe de Spinoza, qui sait. Hein, on abandonne en tout cas l'hypothèse qui fut de Gebhardt, selon laquelle les Nagelate Schriften traduiraient une autre version latine de l'éthique, si bien qu'en 77, les amis de Spinoza auraient eu, c'est cette idée qu'on est en train de quitter, deux manuscrits de Spinoza, un pour l'édition latine des opéra postuma et l'autre pour la traduction en néerlandais. Deuxième principe général fort de cette édition, les opéra postuma, les Nagelate Schriften et le manuscrit de la Vatican, c'est-à-dire les trois textes sources, doivent être considérés comme les témoins d'une source unique approuvée par Spinoza. D'où ma question que j'aurais laissée pour la fin, est-ce qu'on en a la preuve certaine? Est-ce que c'est l'état de la recherche aujourd'hui? Est-ce qu'il est préférable de quitter pour tout un faisceau d'indices
l'hypothèse de Gebhardt ou est-ce que c'est définitif? Est-ce que cette hypothèse est définitive? Résultat, la découverte du manuscrit du Vatican et les avancées que ce texte a fait faire nous fait revenir, de fait, aux opéra postuma qui font ici autorité. Même si parfois il apparaît avec vraisemblance, et ça a été aussi rappelé, au vu de Nagelate Schriften et de la Vaticane, que Spinoza avait pu écrire différemment de la lettre déposée dans les opera postuma. C'est l'exemple rappelé par Pina Totara du terme trascendentales du scoli 1 de la proposition 40 de la deuxième partie de l'éthique, qui vraisemblablement, et dans le manuscrit, était écrit supra trascendentales en suivant ici un usage répandu dans la scolastique. Le manuscrit Vatican reporte bien supra trascendentales, confirmé par la glose marginale des Nagelate Schriften. Néanmoins, et je crois ici à raison, les éditeurs des PUF préfèrent garder la correction des rédacteurs des opera postuma plutôt que préférer ce qu'ils pensent être la lettre même de Spinoza. Autre exemple, c'est celui qui a été déjà cité de la correction, là aussi, correction d'une hypercorrection, celle de l'expression vita vitalis qui émerge au chapitre 15 de la quatrième partie de l'éthique, qui est attestée par la Vaticane, confirmée par les Nagelate Schriften, et contre laquelle les opéra postuma invite à lire plutôt Vita Rationalis pour rendre plus homogène ce texte du chapitre 15 de la quatrième partie. Or, je crois ici à raison, comme avait cela fera plaisir à plus d'un chercheur de Spinoza, notamment, je peux citer Arias Suami, qui avait lui-même remarqué l'intérêt de retenir cette version de la Vaticane, Vita Vitalis plutôt que Vita Rationalis. Même cas pour l'exemple du cheval du dernier scoli de la deuxième partie de l'éthique, auquel Léopold avait donné des ailes et que Cristofolini lui a retiré dans cette édition, confirmé en cela par la leçon du manuscrit de la Vaticane. Là aussi, je crois à raison, Pierre-François Moreau et Steinbecker retiennent plutôt la leçon introduite par Cristofolini. Je note au passage que Cristofolini ne retient pas Vita Vitalis. Il suit encore les opera postuma et préfère Vita Rationalis. Toujours pour ces aspects d'établissement du texte, le lecteur appréciera, je crois, la clarté de l'explication des pages 31-32 avec leur note 268 de l'hypercorrection sur le terme spinozien de capacitas, c'est lumineux comme explication, qui en lui-même est une expression pas très cicéronienne et qui intervient dans le chapitre 17, cette fois, de la quatrième partie de l'éthique. Cette expression avait été corrigée par les rédacteurs latinistes des opéra postuma avec le terme facultas, auquel ensuite a été ajouté le facultas ingeni. Je note donc que l'édition des PUF retient le mot capacitas, qui est sans doute celui de Spinoza, mais traduit en français par faculté. C'est aussi un croisement intéressant. J'en viens maintenant, je saute parce que des choses ont déjà été dites, et je ne veux pas être trop long, à la traduction. L'édition du texte de Spinoza est accompagnée, là aussi, d'une traduction nouvelle qui allie plusieurs qualités. Évidemment, elle s'en tient à la règle d'or de tout bon traducteur, à savoir de faire autant que faire se peut, de traduire terme à terme, notamment les termes clés, les termes concepts de l'éthique. Cela, évidemment, n'est pas toujours possible, et on va le voir tout à l'heure en abordant la question de la traduction de Menz. La proximité au latin ne se fait, malgré ça, la proximité au latin, qui est le souci du traducteur philosophe, ne se fait jamais sous la plume
de Pierre-François Moreau au détriment de la langue française, qui est toujours élégante et qui rappelle en cela la phrase qui caractérisait la traduction d'Appune. François d'Appune a aussi ses vertus. Et je dirais, celle de Pierre-François Moreau a les défauts en moins, à savoir sa prolixité. Souvent, Appune utilise des périphrases pour rendre la phrase latine, n'a pas peur de s'écarter du texte latin, d'y enlever des termes, ou de supprimer ou d'oublier de certains mots, voire d'ajouter d'autres termes qui ne sont pas dans le latin. Exemple de cette élégance du français que le lecteur appréciera, c'est, encore une fois, je reprends l'exemple de la Vita Vitalis, parce qu'on aurait pu s'attendre à une traduction littérale, une vie vitale. Hein. En fait, Pierre-François Moreau préfère traduire une vie digne d'être vécue, qui certes, on aurait pu coller davantage au latin, mais de fait, ce choix garde le sens du texte et en même temps l'élargit à celui qu'on retrouvera, par exemple, dans le chapitre 5 du traité politique. Donc équilibre, je disais, élégance, aussi sobriété, ou du français, où toutes les ressources stylistiques de la langue française sont mises à contribution pour que le lecteur, qui dispose du latin en regard, accède au sens d'un texte qui profite lui-même des différentes sources du latin utilisées par Spinoza, amendées parfois par ses rédacteurs à cause, comme on disait, d'une certaine rudesse d'exposition. La parade de notes, il s'agit quand même de 100 pages, et avec ses tables et ses glossaires, je remarque ici l'équilibre qui est gardé avec la paracritique que Pierre-François Moreau et Jacqueline Lagré avaient consignée dans leur édition et traduction du traité théologico-politique. Je note aussi ce qu'avait noté Pinatot, la facilité de consultation des notes, ce qui est, à mon sens, un véritable avantage, notamment si on le compare à d'autres publications de l'éthique, je ne fais pas de nom, mais qui sont souvent très difficiles à manier, c'est-à-dire on n'arrive pas très bien à circuler dans le texte. Or, dans cette édition, les notes sont, le renvoi des notes est tout à fait clair, on va très vite, on peut se servir du texte de manière très facile. Dans ce cas aussi, les règles suivies dans la rédaction des notes peuvent être résumées aux suivantes. Éviter le plus possible l'interprétation. Et ça, je crois, c'est la ligne éditoriale, pas seulement de cette quatrième tome des œuvres de Spinoza, mais on retrouve cette ligne également dans le traité théologico-politique. Deuxième point, rendre visible par des plans les structures des parties, des appendices, des scoli. Un peu comme le fait Spinoza lui-même dans ses résumés, pensons à l'appendice de la première partie de l'éthique, qui commence par un résumé très exact du parcours théorique, philosophique fait dans la première partie. Spinoza procède exactement de la même façon dans le traité théologico-politique. Il se résume lui-même. Et donc, il est tout à fait clair, très intéressant, d'apporter cette clarté structurelle au texte. Et quand ce n'est pas Spinoza qui le fait, on peut s'appuyer, comme le fait cette édition, sur les contributions de Giroux, du structuralisme giroultien, et de ce que, dans cette lignée, celle de Matron, évidemment, auquel on doit beaucoup. Les notes servent aussi, évidemment, mais ça c'est normal, à la justification des choix éditoriaux des traductions, et enfin, à éclairer les références, notamment de tout le compendium de recherche érudite qui, depuis Gebhardt, avec Robinson, Zach, Curley, Minini, Proietti, Totter, Bartuchat, Kropp, Dominguez, je cite tous ces noms parce que c'est le texte lui-même qui les cite, et enfin, non seulement éclairer les références, mais éclairer les champs sémantiques des mots ou concepts clés. Et ça, je crois que c'est très, très important, toujours dans ce souci de se garder d'interprétation. Au moins, on éclaire le champ sémantique dans lequel, c'est-à-dire l'usage que fait Spinoza, et d'ailleurs dans une tradition tout à fait spinoziste, puisque Spinoza fait la même chose avec,
avec le lexique des Écritures, hein, d'éclairer le champ sémantique dans lequel l'usage des termes clés, comme par exemple Deus, qui intervient certes à la fin des notes, mais rétrospectivement est très intéressant de voir comment Spinoza utilise ce terme, son emploi très développé dans la première partie, puis l'amoindrissement le Deus est beaucoup moins utilisé dans la troisième et quatrième partie, et puis enfin le retour du mot Deus dans la cinquième. Mais on peut faire les mêmes remarques qui ont déjà été faites sur la potentia et potestas, sur ratio également. On a sept usages qui ont été éclairés par la note consacrée à ratio, fabrica, conatus, et ainsi de suite. J'ajouterais, et je m'associe là aussi à la remarque très judicieuse, je crois, de Pina Tortaro, c'est l'attention à la matérialité du texte, et notamment à son aspect visuel. Alors, je ne reviens pas sur la ponctuation, qui est pourtant un aspect important, sur lequel Pierre-François Moreau était revenu même pendant des conférences qu'il avait données en préparation, qui accompagnaient son travail d'éditeur et de traducteur. La ponctuation, effectivement, a été réformée, puisqu'on ne peut pas garder celle qui était du XVIIe siècle. Et l'attention qui lui a été prêtée est tout à fait déterminante pour le sens même du texte. Mais ce n'est pas tellement là-dessus que je voudrais insister. Moi, c'est sur ce que avait rappelé aussi Pina. C'est vraiment l'attention pour la visualité du texte. Je voudrais vous le montrer en vous partageant l'écran. Voilà, ici. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez mon écran partagé? Je n'ai pas de retour. Oui. Alors. Oui, on le voit. Voilà, on le voit. Parce qu'on parle d'un texte qu'on ne voit pas. Alors, j'espère que vous le voyez. Ici, vous avez, alors à droite, vous avez le texte, c'est le facsimilé des opéra postuma. Malheureusement, je ne possède pas les opéra postuma, mais j'en possède le facsimilé qui a été, édité par Pina et Philippe Pomini pour les éditions Quodlibet, donc qui est en fait reproduit fidèlement, le texte de l'opéra postuma. Voici la première page de la deuxième partie de l'éthique. Par ailleurs, vous trouvez en ligne l'opéra postuma, hein, donc vous pouvez vous y référer aussi. Et à gauche donc, de votre écran, vous avez la pagination du texte des Puffs, de la collection Épiméthée des Puffs, et vous voyez qu'elles sont en fait les règles éditoriales qui se sont données, les règles graphiques qui se sont données, essayent vraiment de, sinon d'imiter, au moins de restituer la clarté et disons-le aussi, la beauté du texte des opéra postuma. Hein. Alors évidemment, il y a quelques différences, puisque il y a le latin en regard ou la traduction en regard, ce qui fait que j'imagine le travail énorme qui a dû être fait par le graphiste, page par page, pour rendre tout à fait correspondante la traduction française et le latin. Mais enfin, le résultat me paraît tout à fait probant, puisqu'on retrouve ce plaisir de lecture avec ce choix de l'italique, des majuscules, qui permet une lecture tout à fait visuelle aussi du texte. Et on sait à quel point l'édition visuelle prend une importance aujourd'hui. Il suffit d'aller sur le net pour voir les différentes éditions qui ont été faites d'un point de vue purement graphique de l'éthique. Un seul bémol, si je peux me permettre, mais ça disons, c'est le choix des presses universitaires de France, la couverture de ce texte est un peu faible. Et malheureusement, j'en sais quelque chose, puisque mon édition de 99 du traité théologico-politique a tendance à se défaire. Et donc, on aurait pu prévoir une édition en cartonné ou avec une couverture plus importante. Avant de passer aux quelques questions, je ne sais pas si j'ai le temps pour ça, je voudrais évidemment m'associer aux louanges et à l'admiration pour cette édition, pour ce travail, le travail que ça représente,
j'ai eu la chance d'assister, étant arrivé à Paris dans les années, au début des années 90, j'ai assisté un peu à la naissance de ce projet. Et nous savions tous que malgré les difficultés, malgré la disparition d'abord de Jean-Marie Bessade, puis celle de Ackermann, Pierre-François Moreau menait, et Piet Steinbacher menait un travail de fond et très soutenu pour pouvoir nous donner ce texte. Alors, quelques questions, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce qu'on passe directement à la discussion, comme vous le souhaitez. Sinon, rapidement, la question de choix de traduction. Là aussi, je ne reviens pas dans le détail du choix, si ce n'est sur le cas de Mentz. Je voulais savoir, au fond, si le choix qui a été fait, notamment pour traduire les mots-clés, les mots-concepts de l'éthique, est un choix strictement interne à l'économie lexicale et conceptuelle de l'éthique, l'éthique comprise, disons, comme un texte fermé, en grande partie, évidemment, autoréférencé, puisque les démonstrations s'appuient sur des textes précédents, ou bien s'il tient aussi compte, et jusqu'où s'il le tient, des choix de traduction effectués pour l'édition et la traduction des autres textes des œuvres de Spinoza dans la collection Épiméthée de Puf. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un regard extérieur et donc le souci d'avoir une certaine continuité dans le choix des textes. On a parlé des annexes rapidement. Elles sont évidemment très utiles, mais là aussi, je dirais, elles dénotent un certain choix, à savoir celui de se concentrer sur les aspects mathématiques du texte et les aspects de la petite physique, de l'abrégé de physique. Alors, ma question serait, quelle a été la raison de ce choix? Pourquoi s'est-on tourné, certes, sur des aspects absolument importants de l'œuvre de Spinoza, de l'éthique en particulier, mais néanmoins, ça reste des textes limités. Les exemples mathématiques sont en certain nombre, certes, ils ne sont pas non plus, comment dirais-je, il n'y en a pas profusion, il y en a un certain nombre, ils sont toujours très bien choisis par Spinoza, ils sont toujours intéressants à être interrogés comme tels. Et la petite physique également, c'est un corps du texte dans le texte. Donc je m'interrogeais, j'aurais aimé savoir quelles ont été les raisons éditoriales, les raisons philosophiques, les raisons interprétatives peut-être aussi, qui font que le choix se soit tourné vers des annexes consacrées à ces deux aspects de l'éthique de Spinoza. Enfin, deux autres questions, si j'ai le temps, c'est la traduction. Le choix de traduction de rendre Mentz par âme. Alors, ça, évidemment, cette question, n'aura pas peut-être beaucoup d'importance pour le public italien qui nous suit, puisque, comme vous le savez, en italien, comme en anglais, la question de la traduction de Mentz ne se pose pas, et elle se pose d'autant moins après le fameux article de 1969 consacré par Emilia Giancorti, consacré al concetto spinoziano di Mentz, qui a au fond montré tout l'intérêt et toutes les spécificités de ce concept de Mentz chez Spinoza. En revanche, en français, le français ne dispose pas, comme on sait, d'un mot particulier pour rendre le terme Mentz, si bien que on est obligé, le traducteur le sait bien, de faire des choix entre Mentz, anima, animus et spiritus. Je note au passage, mais ça c'est très bien, on en rend les notes de l'édition de Pierre-François Moreau et Steinbacher le note très bien. Le mot spiritus n'intervient qu'une fois dans l'éthique, et le mot anima, toujours connecté par rapport au corps et son influence supposée sur le corps, trois fois dans le corps de l'éthique, avec
toujours une note très spécifique pour expliquer la manière de traduire anima. Mais justement, c'est le moment où on rencontre la question du choix de rendre mens par âme en français, c'est-à-dire en fait de revenir, si vous voulez, là aussi à apune, contre, au fond, un usage qui s'était assez répandu dans la communauté spinoziste française à la suite de la traduction de Bernard Potrat pour les éditions du Seuil, qui avait choisi de traduire esprit, non, mens par esprit, justement pour marquer cette différence et toute l'ambiguïté qui était déjà, dont déjà Descartes d'une part et Spinoza encore plus, dans un sens anti-cartésien, était tout à fait conscient de l'idée de ne pas confondre, au fond, en tout cas de diversifier le sens entre mens et anima. Alors, il est vrai que les choix, le choix de traduire mens par âme est tout à fait expliqué par une série de notes, notamment la note 23 et la note 110, aux pages 510 et 512. Mais là aussi, je m'interroge, parce que j'en ai beaucoup parlé aussi avec d'autres collègues français sur ce choix, j'aimerais vraiment connaître le fond de, à la fois linguistique, philologique et philosophique de ce qui a déterminé le choix de traduire mens par âme. Parce qu'en un sens, on est obligé d'utiliser âme pour traduire anima. Là où quand Spinoza parle de anima, c'est idea seo anima, ou animae sedes et habitacula fingunt, ou encore à la page 451, quand il parle à propos de Descartes, nam statuit Cartesius animam seu mentem. Donc on voit bien que dans ces lieux, certes limités, mais en ces lieux, la question de la différence entre la mens et l'âme est cruciale pour Spinoza. Or, le choix de revenir à âme, évidemment, il faut être informé de ces notes. Sinon, le lecteur qui n'est pas informé de cette note risque de ne pas percevoir tout de suite cette distinction. Dernière question, si je peux. Je suis déjà trop long. Non, mais c'est pas grave. Évidemment, je peux la poserai peut-être tout à l'heure. Peut-être une dernière, oui, un dernier aperçu sur le projet éditorial, le programme éditorial des PUF. Je rappelle donc la chronologie des œuvres telle qu'elle a été publiée par les PUF. Le tome 3 le traité théologico-politique paraît en 1999. Le tome 5, traité politique, paraît en 2006. Les premiers écrits, tome 1, en 2009, et l'éthique, en 2020. Quand est-ce qu'on aura le compendium et quand est-ce qu'on aura les lettres terminer ce programme de longue haleine. Voilà. Je m'arrête. J'ai encore une série de questions, mais je suis déjà trop long, donc je préfère m'arrêter. Quindi mi fermo qui, scusandomi per la lunghezza, ma. No, grazie infinite, Lorenzo. Merci Lorenzo Vinciguerra pour avoir fait les points entre autres choses. Sur les tensions terminologiques relatives à la traduction française, en particulier les problèmes de la traduction du terme « mens » en français est sans doute central, parce qu'il renvoie au rapport de la terminologie spinozienne avec toute la tradition scolastique. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Nous serions maintenant heureux d'écouter les remarques et objections de Pierre-François Moreau. Et ça y est, je vous entends de nouveau. Et aussi du professeur Steinbachert, si le désire, avant d'ouvrir notre débat. Attends, est-ce qu'on m'entend là? Oui.
Alors, oui. C'était 5 minutes que j'ai que j'étais coupé du que mon ma connexion s'est interrompue. Donc je me suis arrêté au moment où Lorenzo dit parler de la quatrième question qu'il n'allait pas poser. Est-ce que tu as dit quelque chose après ? Donc c'est parfait, tu n'as rien loupé, Père François. Très bien. Donc, j'ai même pas eu le temps, évidemment, de m'associer aux louanges et à l'admiration que je partage avec Pina Totoro et tous les collègues pour ce travail. Ne pas l'avoir dit ne veut pas dire ne pas le penser, bien au contraire. Bien. Diego, tu me donnes la parole ? Oui, absolument. D'accord. La parole. Ça y est. Si jamais ça se déconnectait de nouveau, ne vous affolez pas, il faut que je fasse une manœuvre, parce que parfois l'Internet de l'école fonctionne avec des moments d'hésitation. Donc le temps que je me reconnecte, tout d'abord je voudrais remercier la Società Spinozana et notamment Diego de son invitation. Je voudrais remercier aussi les trois collègues, dont Diego, mais aussi Pina et Lorenzo, qui sont intervenus. C'est toujours intéressant d'entendre exposer ce que l'on a fait, parce que le simple fait que vous ayez vous-même éventuellement un autre itinéraire intellectuel, d'autres centres d'intérêt dans le spinozisme, ça vous fait présenter ce que nous avons fait d'un point de vue qui, de toute façon, est intéressant pour nous et peut nous apprendre même des choses sur le travail que nous avons fait. Bon, avant de répondre en détail, je voudrais insister sur deux points. Le premier, mais ça a été un peu dit par chacun de vous, mais je voudrais y revenir, c'est que le travail que vous avez sous les yeux, il est signé par Fokke Akkerman, aujourd'hui disparu, par Piet Steenbakkers, qui est présent ici, même si son visage n'apparaît pas, et par moi-même, mais c'est l'aboutissement d'un travail collectif. C'est un travail que nous avons commencé il y a plusieurs décennies, ça a été rappelé. Au fond, ce travail prend son origine, pas seulement l'éthique, mais l'ensemble des œuvres complètes, ça prend son origine lorsque Fokke Akkerman avait fait remarquer à la fois cette spécificité du latin de Spinoza, de la culture de Spinoza qui permet de comprendre sa façon d'écrire et donc sa façon de penser. Et donc, Fokke avait conclu qu'il fallait envisager une nouvelle édition de Spinoza. Et il avait commencé à indiquer, si je me souviens bien, c'était en 1977, lors des colloques du tricentenaire, tout ce qu'il fallait refaire. Tout le travail qui était à faire. Et donc, Fokke Akkerman a été celui qui nous a au fond donné l'idée de cette édition, et puis de ce que ça permettait de faire comme traduction et comme notation. Mais en même temps, nous sommes les héritiers de tous ceux qui ont réfléchi avec nous et avant nous là-dessus. Alors, je sais bien qu'un moyen de faire briller une édition, c'est de dire du mal des éditions précédentes, mais là, je voudrais me livrer un peu à l'exercice inverse. Finalement, Paulus et ses successeurs allemands, Van Vleuten et Land et Gebhardt, au fond, ils ont fait des erreurs, ils ont eu des difficultés, on les connaît, mais tous ces gens sont des gens qui aimaient Spinoza, qui essayaient de comprendre le spinozisme avec les forces dont ils disposaient et qui ont tout fait pour faire lire Spinoza, pour le donner à lire à des moments où il n'y avait plus d'édition disponible. Donc, il faut penser aussi aux efforts qu'ils ont faits parfois pour proposer correction au texte. Et puis, bon, effectivement, à partir des éditions plus récentes, pour véritablement s'appuyer de nouveau sur une science philologique plus sérieuse, sur une connaissance plus sérieuse du latin, et aussi sur une connaissance de la doctrine de Spinoza elle-même, parce que pour trancher entre deux versions possibles d'une phrase,
souvent, c'est la connaissance de la rigueur philosophique de la pensée Spinoza qui nous permet de trancher. Et c'est pour ça que, même si nous ne voulons pas interpréter dans nos volumes d'édition et de traduction, il est clair que les grands travaux d'études structurales de Guérou, de Matteron, de Bessade et d'autres encore, nous ont aidés tout à fait à effectuer tout ce travail. Donc, j'insiste, nous assumons, Pete et moi, cette édition, mais nous l'assumons, cette édition, cette traduction et ses notes, mais nous l'assumons en étant tout à fait conscients des dettes que nous avons à l'égard de tous les spinozistes qui ont travaillé avant nous, et notamment des 100 dernières années depuis, par exemple, les travaux de Léopold sur la présence du latin classique dans l'œuvre de Spinoza. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est un travail accumulatif, et même lorsque nous n'acceptons pas une hypothèse ou une leçon proposée par un éditeur précédent, ça ne veut pas dire qu'elle ne nous a pas fait réfléchir. Donc je tenais à souligner cet aspect. Une deuxième chose, avant d'en venir aux réponses, c'est que je voudrais insister sur à quoi ça rime ce qu'on fait, ce que nous faisons tous là. Je voudrais rappeler peut-être la valeur philosophique de l'histoire de la philosophie et de son soubassement philologique. Parce qu'on pourrait nous dire, mais pourquoi... Alors peut-être qu'en Italie, on nous le dirait moins parce que vous avez la conscience plus philologique qu'en France. Mais les Français pourraient nous dire, mais quel intérêt ça a de chercher si vraiment Spinoza a écrit Capacitas ou Facultas, quel intérêt ça a de savoir s'il a utilisé réellement un subjonctif ou un indicatif, si telle leçon des opéras posthuma est supérieure à celle du Vatican ou non. Est-ce que ça n'est pas, au fond, un travail... de bijoutier, de fabricant de pierres précieuses, mais pas de choses véritablement utiles dans la vie courante. Est-ce que ça ne nous éloigne pas, au fond, du sens véritablement philosophique de la philosophie? Et je prétends qu'en réalité, essayer de comprendre véritablement au plus près du texte ce qu'un philosophe a dit, surtout quand il s'agit de Spinoza, essayer de comprendre dans la rigueur du choix de ses mots et dans la variation même du sens qu'il fait subir aux mots dans leur héritage sémantique, eh bien, ça a une valeur philosophique pour nous encore aujourd'hui. Parce que si nous essayons de comprendre la dynamique par laquelle un philosophe pense, comme les philosophes n'ont pas d'autre moyen pour penser et pour communiquer leur pensée que de la mettre par écrit, le tranchant même des textes, le tranchant même des mots, c'est ce qui nous permet d'entrer au plus exact, au plus pointu, dans le moment où ils fabriquent leur pensée, dans le moment où ils se donnent des instruments pour fabriquer cette pensée, et plus exactement, dans le moment où ils reprennent les instruments que leur ont légués leurs prédécesseurs et où ils les remodèlent, les refabriquent, les transforment, pour arriver à produire ce que leur effort consiste à produire. Donc, dans cette recherche du texte le plus exact, et dans cette tentative aussi de rendre, dans nos langues modernes, une version la plus exacte possible de ce texte, eh bien, je crois que c'est là que nous approchons de l'effort pour penser, du conatus philosophandi de Spinoza, en tant qu'il essaye de nous donner des instruments pour penser le monde où nous sommes, le monde que nous sommes, et peut-être aussi le monde que nous essayons de transformer. Donc je crois que même dans ce travail apparemment d'artisan sur des points de détail, dans tous ces tableaux que nous construisons, dans cette réflexion sur la question de savoir si nous gardons une virgule ou si nous remplaçons deux points par un point-virgule ou si nous traduisons mens par esprit ou par âme, etc., etc., il y a un véritable exercice philosophique
pas seulement au sens de l'histoire philosophique et philologique, mais au sens de la philosophie comme manière de penser, comme manière de penser notre vie et notre monde. J'y tiens beaucoup. Autant je pense que c'est une erreur d'arriver dans une classe en disant « voilà, c'est ça la philosophie », sans se référer au grand texte, autant je pense que c'est en réfléchissant sur la production de ces grands textes et en essayant de les cerner au plus près que nous faisons vraiment notre travail philosophique. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Je vais pas forcément répondre dans l'ordre à toutes les questions qui ont été posées, je vais essayer d'en choisir quelques-unes, et puis si j'en oublie quelles qui vous tiennent à cœur, vous me les reposerez, vous en poserez d'autres. Tout d'abord, Pinal a rappelé, au niveau même du texte, de l'établissement du texte, je vais parler de quelque chose qui arrête souvent les lecteurs français quand ils lisent des textes du XVIIe siècle, les étudiants qui commencent à étudier la philosophie, et je crois que c'est vrai aussi dans d'autres langues. Moi, pendant très longtemps, quand je lisais les textes du XVIIe siècle, il y a des passages que je ne comprenais pas, notamment parce que je voyais souvent dans une phrase deux points. En français moderne, et je crois dans beaucoup de langues modernes, quand on met deux points, ça veut dire « ce qui suit » va expliquer ce qui précède. Il y a un rapport causal entre les deux. Ça m'a empêché de comprendre ce que voulait dire le philosophe qui écrivait cela, parce que tout simplement, dans le latin du 7e siècle, deux points, c'est l'équivalent d'un point virgule ou d'un point tout court. Et il n'y a souvent pas de rapport causal. Donc, j'étais amené, par ma mauvaise connaissance de la typographie du 17e siècle, à faire spontanément, sans m'en rendre compte, une interprétation du texte qui était extérieure au texte lui-même, c'est-à-dire à supposer une forme de raisonnement qui ne s'y trouvait pas. Donc, c'est ça qui explique que souvent nous avons supprimé les deux points pour les remplacer par un point virgule. Et en tout cas, dans ma traduction, systématiquement, je remplace les deux points par un point virgule, sauf quand il est clair, explicitement, qu'il y a un sens causal entre deux parties de la phrase. Donc, ce n'est pas seulement dans le sens des mots que vient se nicher le choix du traducteur, c'est aussi dans le choix de la ponctuation. Est-ce qu'on garde une virgule? Est-ce qu'on garde deux points? Est-ce qu'on garde un point? Tout cela sert à la construction du sens. Tout cela sert à la reconnaissance de la valeur philosophique d'une philosophie. Il faut y penser quand on traduit, et il faut y penser quand on lit. Deuxième chose, Pinal a rappelé, oui, nous avons considéré qu'il y avait trois éléments du texte, et je pense, comme elle le pensait elle-même, enfin trois documents pour le texte, je pense, comme elle le pensait elle-même, que nous n'éditons pas le manuscrit de Spinoza parce que nous ne le possédons pas, mais nous réfléchissons à partir de ces trois documents pour essayer de donner au lecteur la version la plus lisible possible du texte des opéras posthuma. Nous éditons les opéras posthuma à la fois par une correction interne de celle-ci et par un appui sur les deux autres documents. Cela dit, il ne faut pas négliger du tout l'importance du manuscrit du Vatican. C'est une découverte extrêmement significative. Et je dirais qu'en un sens, elle répond à un vœu de Spinoza lui-même. Nous savons par Magalotti qu'à un moment de répression aux Pays-Bas, Spinoza avait peut-être envisagé de venir s'installer en Italie. Il avait demandé à Magalotti si peut-être le grand-duc de Toscane, Cosimo III, pourrait l'accueillir au cas où il quitterait les Pays-Bas. Finalement, il n'a jamais quitté la Hollande. Cosimo, le grand-duc, ne l'a jamais accueilli. Mais d'une certaine façon, Spinoza est entré en Italie quand même en 1877 grâce à un Allemand, Tschirnaus, et un Danois, Stenson, qui l'ont fait pénétrer bien malgré lui dans les caves de l'Inquisition, où il a été aussitôt oublié, où ce représentant de la pensée de Spinoza, qui était le manuscrit du Vatican, a été oublié pendant trois siècles. Et puis, grâce au travail
et je dirais grâce au travail sur un long terme de Pina, parce que la découverte de ce manuscrit, elle n'est pas le fruit du hasard, elle est aussi la conséquence de, des années de travail que Pina Totaro a consacré à la figure de Stenson et à tous les liens de Stenson, de Steno, avec Spinoza. Donc, la découverte du manuscrit et sa première publication, puis son utilisation de notre édition, c'est d'une certaine façon comme si Pina Totaro avait accueilli à son tour Spinoza en Italie. Au fond, elle a fait ce que le grand-duc Cosimo n'avait pas fait. Elle a offert en Italie, alors à Rome et non pas à Florence ou en Toscane, l'accueil à ce Spinoza qui était resté aux Provinces Unies. Donc, voilà, nous avons ces trois documents, nous les utilisons, nous avons produit cette édition, bon, je ne vais pas revenir dessus. Je réponds simplement à quelques questions au passage. À propos de la question que posait Diego, ce qui était posé sur la différence entre la langue de Cicéron et la langue latine des philosophes, bien, il est clair que Spinoza est un des philosophes qui ne crée pas de mots. Et donc, ça implique un devoir pour le traducteur de ne pas créer de mots en français bien entendu, on traduit. C'est parfois une manie des traducteurs dans différentes langues de fabriquer des mots nouveaux dans leur langue parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de mots qui peuvent rendre le terme original. Bon, Spinoza est un philosophe qui se refuse à créer des mots. Il utilise les mots dont il dispose. Or, qu'est-ce que ces mots? Ce sont des outils qui lui sont transmis à la fois par le latin classique, tel qu'il a pu l'étudier à travers sa littérature, et puis par le latin de la scolastique et de la scolastique cartésienne. Au fond, il ne connaît la scolastique, je pense, que par les instruments que lui en fournit la deuxième scolastique, la scolastique allemande, néerlandaise et espagnole, et puis cette scolastique cartésienne qui s'est construite notamment aux Pays-Bas à partir de l'apparition des œuvres de Descartes en latin. Donc, le vocabulaire de Spinoza, c'est le vocabulaire du latin classique, relayé par le vocabulaire médiéval et le néo-latin, et puis c'est le vocabulaire, alors très massivement pour toutes les trois dernières parties de l'éthique, le vocabulaire de Descartes, et plus exactement de la traduction latine des passions de l'âme de Descartes. Il y a quand même les trois cinquièmes de l'éthique, les parties 3, 4 et 5, qui sont écrites, je pense, avec les passions de l'âme sur la table. Or, Spinoza, ne lisant sans doute très mal le français, le livre Descartes qu'il a sur la table, c'est la traduction latine de Desmarais. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent dans le latin de Spinoza quand on va regarder non seulement le latin de Descartes, mais le latin des traductions latines du français de Descartes. Donc, je crois que là, on a un jeu chez Spinoza, un jeu en partie conscient, sur les différents héritages de la langue latine avec lesquels il peut construire son propre lexique, c'est-à-dire, de fait, produire sa propre pensée, parce qu'on ne pense pas en dehors d'un lexique. Donc, choisir son lexique, déplacer le sens des termes du lexique, c'est au fond proprement le premier étage de l'acte de pensée. Je voudrais revenir maintenant sur la question des choix de traduction. Lorenzo a parlé de choix terme à terme. Alors, ça a dû m'arriver, peut-être d'utiliser cette expression moi aussi, mais finalement je préfère plutôt l'expression de champ à champ. Parce que dans la mesure où les langues ne sont pas des catalogues de mots, dans la mesure où au fond chaque mot d'une langue et chaque mot de l'usage que chaque philosophe fait d'une langue, et qui n'est pas le même qu'un autre dans la même langue, chaque mot d'une langue doit son sens aussi aux frontières qu'il a avec les autres mots. Alors, dans le cas de mens, animus, anima, etc., c'est particulier. Mais par exemple, quand on écrit en allemand ou en anglais, dans des langues où il y a un fond germanique et un fond latin, souvent on dispose de deux mots
pour dire la même chose. Et vous savez très bien que quand vous trouvez en allemand un mot qui ressemble au français, il faut surtout éviter de traduire par le mot français parce que souvent il a un sens ironique ou un sens critique ou secondaire et qu'il vaut mieux traduire par le mot français le mot qui ne ressemble pas au français. Alors, en français, on a ce problème souvent avec les mots latins. Donc, ce n'est pas évident, par exemple, traduire « spiritus » par « esprit », on s'est posé le problème quand on a traduit le traité théologico-politique. Donc, quand un mot latin a plusieurs champs sémantiques, je ne me sens pas obligé de garder le même mot français pour tous ces champs sémantiques. Et comme l'a remarqué Lorenzo, en fait, je me sens obligé de garder le même champ sémantique pour le même champ sémantique. Alors évidemment, ça peut induire en erreur le lecteur français qui ne dispose pas du latin. Alors, bien sûr, le lecteur français qui est latiniste, il a le texte latin à côté. Mais quand on traduit, c'est aussi pour ceux qui ne sont pas latinistes. Donc, le devoir du traducteur, à mon sens, dans ce cas-là, ça consiste à faire une liste des différents champs du terme latin et ensuite, par exemple, de dire « ratio », ça peut être la raison, au sens de « ratio intellectus imaginatio », ça peut être aussi « ratio » au sens de « causa », ça peut être aussi, il y a un ou deux exemples de ratio au sens de proportion ou de mesure. Et donc, je fais la liste de ces sens, et chaque fois que je tombe sur ratio dans l'un de ces sens, je traduis toujours par le même terme. Donc, je ne m'oblige pas à traduire toujours ratio par raison, mais je traduis toujours ratio par raison quand c'est le sens d'une faculté par opposition à intellectus ou imaginatio. Je traduis toujours ratio par raison quand c'est ratio sive causa. Je traduis toujours ratio par mesure quand c'est le sens proportion, et ainsi de suite. Donc, le devoir traducteur, d'abord, de faire cette description des champs sémantiques, puis d'essayer de trouver quel est le mot de la langue moderne qui correspond à ce champ sémantique, et ensuite de prévenir le lecteur de cet éventail de champs et des choix qu'il a fait pour les traduire. Ça implique, alors, deux possibilités. Soit ce que font actuellement beaucoup des collègues qui, en français, traduisent Kant ou Hegel, c'est-à-dire de mettre le mot allemand entre parenthèses après le mot français à l'intérieur de la traduction. Alors, c'est une structure qui est un peu lourde et à mon avis ça se justifie parce que précisément le mot allemand est très différent du mot français. Dans une traduction du latin où au moins l'un des sens est très proche du mot français, ça aurait un aspect de redondance. Traduire ratio par raison en mettant ensuite ratio entre parenthèses, c'est un peu idiot. De même, mettre intellectio et mettre entre parenthèses intellection, mettre intellection et entre parenthèses intellectio, bon, ça appartient à la lecture. Donc, j'ai fait un autre choix, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de mot latin à l'intérieur de ma traduction française, mais chaque fois qu'un mot latin technique apparaît, je mets une note et dans cette note, je donne l'ensemble de mes choix pour ce mot. Donc la première occurrence de chaque mot, sauf pour Deus, que j'ai tenu à garder pour la fin, pour des raisons que vous pouvez imaginer, à défaut de les accepter. Pour chaque mot, donc à sa première occurrence, vous avez l'éventail qui est indiqué. Et puis, à la fin, un glossaire où pour chaque mot technique, on renvoie à la note dans laquelle se trouve l'explication des différents choix. Je crois que c'est le moyen pour donner au lecteur les éléments afin, au fond, qu'il puisse refaire ses choix lui-même. C'est-à-dire que s'il trouve que pour le champ ratio au sens de mesure, j'aurais dû traduire par proportion plutôt que par mesure, il a la liste des endroits et à la limite, il peut, dans mon texte, corriger, rayer proportion et mettre mesure, ou l'inverse. Oui. Lorenzo, tu veux dire quelque chose? Non, c'est très clair, c'est absolument très clair. Mais est-ce que ce champ sémantique, il est restreint à l'éthique? C'était ça le sens de ma question. Non, tu as posé deux questions différentes. Ah oui, excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais deux versions dans ta question. Je me tais. Non, mais
Donc je continue sur cette question. Non, ce champ n'est pas restreint à l'éthique pour, enfin, est et n'est pas restreint à l'éthique pour deux raisons. Premièrement, il n'y est pas restreint parce que, comme tu le sais, depuis le début de ce travail collectif sur les œuvres complètes de Spinoza, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Nous avons organisé des réunions des éditeurs et traducteurs, parfois même en invitant des traducteurs étrangers pour avoir leur point de vue. Et nous avons discuté ensemble ces différentes possibilités pour chaque terme, ce qui fait qu'il y a quand même une continuité d'un des volumes à l'autre. Mais d'autre part, il y a aussi des raisons pour lesquelles parfois cette continuité n'est pas maintenue. Alors, il y a deux raisons. D'abord, c'est le fait que chacun des traducteurs est responsable de ses choix, même s'il s'appuie sur les discussions qui ont précédé. Et d'autre part, parce que nous n'excluons pas que Spinoza ait lui-même évolué. Donc, l'évolution de lexique de Spinoza doit se traduire dans une évolution du lexique traduction. Par exemple, et ça, nous devons, tu l'as rappelé tous, beaucoup au grand travail de Emilia Giancotti sur mens, la division des termes mens, anima, etc., dans le latin de Spinoza, n'est pas constante. Dans l'éthique, mens a pratiquement pris le monopole du sens. Et dans l'éthique, mens a repoussé d'un côté anima à 3 ou 4 occurrences pour dire l'âme au sens de Descartes, ou l'âme au sens des stoïciens, c'est-à-dire au fond pour un emploi qui ne renvoie pas à la philosophie de Spinoza, il faudrait pratiquement l'écrire avec des guillemets, et puis ça a repoussé animus, au fond, à un terme non technique qui sert simplement de support à un adjectif. Et c'est pourquoi je m'autorise souvent à ne pas traduire animus et à substantiver l'adjectif, parce que c'est ça que ça veut dire, ce n'est pas un terme philosophique. Mais ça, c'est tout à fait spécifique à l'éthique. Si on regarde le Tractatus de Mendacione Intellectus, la répartition sémantique n'est pas du tout la même. Anima, intellectus, spiritus, etc., joue un tout autre sens, et dans le traité théologico-politique aussi. Donc, je suis beaucoup moins sûr que dans les premiers écrits, il faille toujours traduire, et seulement traduire, mens par âme. Ce n'est pas du tout évident. Et là, par exemple, dans le traité de géopolitique, spiritus est massivement présent. Et on ne peut donc pas se contenter de dire, comme ce n'est pas un terme important, on n'y attachera pas beaucoup d'importance. Donc voilà, il me semble que j'ai répondu sur l'unité et la variété des choix de traduction. Bon, je reviens à mens, justement, puisque c'était ta question sur esprit et âme. Oui, on a beaucoup de... Ce n'est pas que la mienne, hein, ce n'est pas que la mienne, tu t'en doutes. Pardon ? Ce n'est pas que ma question, c'est pas que ma question, on en a beaucoup discuté parmi tes élèves. Oui, on en a beaucoup discuté aussi avant. On a évalué, moi, a priori, j'aime pas beaucoup le terme esprit, parce que esprit, ça me paraît très spiritualiste ou cognitiviste comme terme, bon. Et c'est pas du Spinoza. Donc, personnellement, j'avais d'emblée une sorte de préjugé contre esprit, ça me fait penser aux philosophies spiritualistes du milieu du siècle dernier en France, à Louis Lavelle, à Le Sen, enfin, à ce qu'on appelait la philosophie de l'esprit, qui était vraiment une philosophie absolument antimatérialiste, bon, peu importe. Ça renvoie peut-être à ma propre formation philosophique et ce contre quoi j'ai construit ma propre pensée et de quoi Spinoza nous a défendu. Mais, il y a Helvétius. Pardon ? Oui, il y a celui d'Helvétius aussi, mais hélas, dans le français du XXe siècle, ce n'est pas le sens d'Helvétius qui a prédominé, c'est l'autre. Alors, quand on regarde la fonction de mens dans l'éthique, au fond, l'éthique, on a trois parties, qui sont les plus nombreuses en théorème, les plus longues, qui sont consacrées aux affects, à la domination de l'homme par les affects, et finalement à la victoire de la raison sur les affects. Donc, les 3/5 de l'éthique sont consacrés aux affects. Et le lieu des affects, nous avons un terme pour ça, c'est mens. Les deux autres parties de l'éthique sont, au fond, destinées
à produire une espèce de logique générale qui va justifier les parties suivantes, et une théorie de la connaissance, si on peut l'appeler comme ça, c'est pas un terme spinoziste, peu importe, qui utilise aussi le terme de mens pour désigner le lieu de la pensée. C'est-à-dire que le coup de force philosophique de Spinoza, c'est d'utiliser mens à la fois pour le lieu de la pensée et pour le lieu des affects. Et en un sens, ça c'est propre à l'éthique par rapport aux autres œuvres de Spinoza. Et on peut dire que le moment où Spinoza devient le plus spinoziste par rapport aux ouvrages précédents se marque par ce coup de force sémantique qui consiste à utiliser un seul terme, mens, pour désigner le lieu de la pensée, de la connaissance et le lieu des affects. Donc il faut choisir une traduction française qui rendra compte de ça. Donc se demander quel est le mot français qui va rendre compte de ce double emploi, avec évidemment la prédominance de l'emploi affectif, en partie sur cinq. Et aussi par le fait que ce qui, chez Spinoza, est de l'ordre des connaissances, est finalement lié, est finalement orienté, dès le début, dès le trait de la réforme de l'entendement, à la recherche du souverain bien, c'est-à-dire à la recherche du gouvernement des affects. Donc, quel est le terme si on exclut l'affreux mentalité, hein, okay, qui fait histoire de mentalité, ce n'est pas possible. Bon. Est-ce qu'en français, esprit peut avoir tous ses sens? Il me semble que non. Esprit ne rend pas du tout toute la dimension affective qu'il y a dans mens. En revanche, âme, et ça c'est Jean-Marie Bessat qui nous l'avait fait remarquer, rend très très bien l'ensemble du sens affectif, parce que, et même des sens le plus minimalement affectif. Quand on dit en français avoir du vague à l'âme, avoir un certain état d'âme, ou tout simplement mourir, rendre l'âme. Donc, je constate que dans le français du XXe siècle et du XXIe, le mot âme a perdu, alors, et d'abord évidemment tout son sens religieux, évidemment plus personne ne pense à l'âme au sens théologique du terme quand on dit le mot âme. Quand on dit ce discours n'a pas d'âme, ça veut dire ce discours n'a pas de sens, ce discours n'a pas de dynamisme. Et en même temps, il n'y a pas d'esprit de bénitier dans l'âme, comme disait Potra dans sa préface. Ben non, il n'y en a pas du tout. Cet esprit de bénitier, il est disparu depuis au moins un siècle et demi, ça c'est très clair. En revanche, il reste dans l'esprit. En français, quand on dit esprit, ça veut bien dire que... Non, le terme suritabilis, c'est l'âme esprit, ce n'est pas le terme âme. Alors évidemment, je suis très conscient aussi qu'il y a une dimension de Sprachgefühl, il y a une dimension du sens que chacun a de la langue. Il se peut très bien qu'un autre Français le sente autrement que moi. Mais il me semble qu'on est quand même quelques-uns, et je dirais quelques dictionnaires aussi, quand vous allez regarder dans les dictionnaires, dans le CNTRL, etc., etc., l'ensemble des exemples qui vous trouvez pour le mot âme, ça désigne toute cette vie affective qui est au fond l'objectif de la description de l'éthique, l'objectif du troisième tableau, la troisième partie des annexes. Alors, l'un de vous, je ne sais plus lequel, m'a demandé pourquoi ces trois annexes. Je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Pina. Pourquoi ces trois annexes? Je reviens à la question. On a décidé de ne pas faire d'interprétation. Ce n'est pas une édition ou une traduction herméneutique. Alors, je sais bien qu'il y a quand même un minimum d'interprétation. Simplement dans les choix. Par exemple, si nous pensons que Vita Vitalis, c'est la bonne lecture, c'est parce que nous pensons que Vita Vitalis, ça a un sens dans la pensée de Spinoza. Si nous appuyons pas sur une interprétation, mais qui je crois est largement admise, du spinozisme, qui peut trouver ses sources, par exemple, dans le traité politique, dans un passage que tu as cité, où Spinoza distingue la vie qui se limite à la circulation du sang et la vie véritablement humaine. J'hésitais entre vie véritablement humaine et vie digne d'être vécue. Peut-être que vie véritablement humaine serait meilleure, peu importe. Mais si on a décidé ça, c'est parce que notre lecture structurale de Spinoza nous permet au moins cette herméneutique minimale. Mais néanmoins,
on a essayé que cette herméneutique soit la plus faible possible. Voilà, une herméneutique faible, comme on dit à pensée faible, si vous voulez. Mais une herméneutica debole. Mais en même temps, il faut quand même donner au lecteur les moyens de comprendre le texte. Alors, les moyens de comprendre le texte, c'est quoi ? C'est lui expliquer le lexique. Ça, on l'a fait dans les notes. Lui expliquer le substrat littéraire, pour, non pas pour qu'il sache, ça n'a aucun intérêt de savoir que Spinoza utilise ici un vers de Terence, mais ça a un intérêt de savoir que Spinoza transforme ici le sens d'un vers de Terence. C'est-à-dire qu'il prend le vers de Terence, non pas pour faire étage sa culture, mais parce qu'il y trouve un outil qu'il va pouvoir transformer pour dire ce qu'il a à dire. Bon, ça, on peut le faire, tout ça, on peut le faire dans les notes. Mais autre chose, c'est que Spinoza s'appuie sur des discussions scientifiques du XVIIe siècle. Et ces discussions scientifiques du XVIIe siècle, le lecteur actuel ne les a pas forcément sous la main, même si c'est un étudiant en philosophie, même si c'est un collègue professeur de philosophie. Donc, il nous a semblé qu'il y avait trois, quatre peut-être domaines pour lesquels il fallait fournir une annexe qui regroupe ce genre de questions. Donc, une sur les mathématiques, une sur la physique. Je regrette qu'on n'ait pas pu en faire, on y a pensé trop tard, une sur les sciences médicales. Et la collègue à qui on avait pensé pour ça était débordée par d'autres travaux à ce moment-là et n'a pas pu le faire. Mais je n'exclus pas de le faire d'une prochaine réédition, si les presses universitaires de France se décident de rééditer le texte. Et puis, une sur ce qu'on pourrait appeler la psychologie, c'est-à-dire en gros le rapport à la psychologie cartésienne. Donc, je crois que ça, c'était quand même le matériau minimal qu'il fallait donner au lecteur pour que, tout simplement, il puisse aborder le texte avec le moins de barrières possibles. Après, c'est à lui de se débrouiller. Voilà, j'ai tout à fait conscience de ne pas avoir répondu à toutes vos questions, mais elles m'ont toutes fait réfléchir et elles continueront à me faire réfléchir après. Et je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous avez ajouté, ce que vous pouvez lire là-dessus. Mais si vous avez d'autres questions, s'il nous reste un peu de temps, oui, peut-être que Pitzenbachers peut compléter ce que j'ai dit. Je suis désolé d'avoir monopolisé la parole. Oui, c'est le professeur Stenbachers veut ajouter quelque chose. Nous n'en serions rien. Autrement, nous pouvons ouvrir le débat. Bon, moi, je veux bien dire quelque chose, mais j'espère que vous me permettez de ne pas ouvrir ma caméra. Je veux bien contribuer à la discussion. Il y avait Pina Totoro l'avait déjà dit. Elle a parlé d'une édition définitive. Et Lorenzo Vinciguerra, il posait la question, est-ce que votre hypothèse sur la genèse du texte est définitive? Ma réponse là serait non. Une hypothèse, par définition, n'est pas définitive. C'est le résultat d'un progrès dans notre connaissance du texte Spinoza. Mais il peut toujours être une raison de changer d'envie, d'avis. Donc, si nous trouvons le manuscrit de Spinoza lui-même, l'autographe, alors on en fera une édition tout à fait différente, c'est-à-dire une édition diplomatique avec tous les fautes d'écriture et quoi que ce soit pour montrer ce que Spinoza avait écrit. Et même maintenant pour notre texte. Donc, nous avons essayé d'établir un texte aussi fiable que possible, mais il y a toujours des choix qui sont dans une certaine mesure arbitraires. Je peux vous donner un bel exemple, je trouve, dans la proposition 4 de la première partie, Spinoza a fait un lapsus dans son texte latin et on le retrouve tant dans les opera postuma que dans le manuscrit du Vatican. Il dit « extra intellectum nihil datur praeter substantias eiusque affectiones ». Et
Et le lapsus est qu'il parle de substance en pluriel et puis de eiusque affectionis et ses affections en singulier. Donc, apparemment, ce qui se passe, c'est que Spinoza pense déjà à la substance unique, mais il parle encore, d'un point de vue théorique, de plusieurs substances. Et cette tension est visible dans cette lapsus. Alors, on peut faire trois choses. Alors, on peut changer le texte en substantias eiarumque affectionis pour corriger la faute grammaticale. Et la plupart des éditeurs ont fait cela. Depuis Van Vloot et Land, tout le monde a écrit substantias eiarumque affectionis. Et aussi le premier traducteur, Glasmaker a fait cette correction. Ou bien, ce que Paolo Cristofolini a fait, on peut corriger en substantiam eiusque affectionis, donc on introduit déjà la substance unique. Ou bien, la troisième possibilité, nous avons gardé le lapsus, nous avons laissé la faute grammaticale de Spinoza ici pour montrer à l'attention qui est déjà à l'œuvre pour arriver à cette preuve de l'unicité de la substance. Donc là, il y a trois possibilités et on peut donner de bonnes raisons pour chaque des trois leçons. Et alors, tant que la situation est claire et tant qu'on donne toutes les variantes dans la paracritique et une explication dans les notes, on offre au lecteur la possibilité de juger pour lui-même quelle lecture serait à préférer. Et un autre éditeur pourrait faire un autre choix. Donc, chaque édition est dans cette perspective. Chaque édition est provisoire et peut être changée par un autre point de vue. Mais ça serait différent si nous trouvons cette autographe disparue de Spinoza. Là, on va reproduire tout avec les fautes de Spinoza lui-même. Et ça serait pas définitif comme édition du texte de l'éthique. On pourrait dire une édition diplomatique de l'autographe de Spinoza. Cela sera en tout cas une représentation correcte et définitive de ce que Spinoza avait écrit. Mais pour le reste, moi, je ne crois pas à l'existence des éditions définitives. J'ai eu l'honneur de contribuer un article à un tome de Historia Philosophica dédié à la mémoire de Paolo Cristofolini, et là j'ai expliqué pourquoi les éditions définitives n'existent pas. Quand même, je trouve que notre édition pourrait bien... ça peut encore rester pour 100 ans ou 100 ans 50, je ne sais pas, mais il n'y a pas grand chance que quelqu'un va refaire le travail sans que nous avons d'autres matériaux pour faire une autre édition. C'était un ajout que je voudrais faire. Merci. Merci, professeur Steinbachers, pour votre éclaircissement. Nous pouvons prolonger le débat, mais je demande à qui interviendra d'être bref, parce qu'il est déjà tard. Donc, questions, domandes? Excusez-moi, Diego, et je voulais dire simplement une très petite chose à propos de ce qu'il a dit Pete maintenant. Et évidemment, oui, tout est relatif à ce monde, et quelqu'un pense, on peut dire la même chose à propos de cette édition, on peut dire la même chose que nous disons, que quelqu'un pense de l'amour, non? Que l'amour est éternel jusqu'à sa dure. Et on peut dire alors que la définitivité de cette édition
Et à ce propos, elle sera l'édition définitive jusqu'à, jusqu'à la prochaine. Non, mais il est certain que ce que nous avons maintenant, grâce à vous, à Pete et à Pierre-François Moreau, est sûrement cette édition est la plus complète, la plus fiable. Ecco, ça, c'est mon avis. Merci. Merci, merci. J'espère que cela servira, hein, pour de nouvelles traductions, pour de nouveaux commentaires, etc. Voilà. Autre question. Je vois connecter professeur Garber, Daniela Bostringhi, Francesco, Toto. Il y a des questions? Forse è Lorenzo che aveva minacciato di fare altre domande. Può terminare la sua... Ah sì, se vuoi. Lorenzo. Io non voglio monopolizzare, mi sembra di aver parlato fin troppo. Ma allora, forse una domanda puramente fattuale è quella che... No, in francese, pardon. Bon, l'éthique, comme tu sais, Pierre-François, l'éthique, c'est le quatrième tome des œuvres. Il en manque encore. Oui, mais ils vont venir. Quand? C'est une question difficile. Mais ils viendront. D'accord. Et alors, une autre question qui prolonge ta réflexion sur la question de l'herméneutica debole. Et comme l'a montré la réflexion de Piet aussi, c'est ce qu'il appelle arbitraire, en fait, ce n'est pas l'arbitraire, c'est une interprétation. En tout cas, un choix dicté par une conviction philosophique, ce que tu appelais le travail de la philosophie, n'est-ce pas? La philologie, c'est l'ancille de la philosophie, et dans ce sens-là. Il y a une dimension individuelle qu'on essaye de ne pas rendre subjective. C'est ça, bon, ça j'ai bien compris. Et, alors, non, la question serait plutôt celle de, puisqu'on est à la fin, quel est, selon toi, après tout ce travail de plus de 20 ans, moi-même je ne saurais pas compter, ce travail, disons, sur le texte, sur le lexique, sur la lettre, et évidemment, ce n'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que on attend d'une bonne édition définitive ou pas, mais en tout cas qui va durer longtemps. Je suis convaincu que cette édition est faite pour durer, à moins que d'autres documents, d'autres manuscrits émergent, comme Pina a fait émerger. Mais comme disait Pierre, ça risque de durer s'il n'y a rien de nouveau. Et selon toi, quelles sont finalement les directions de recherche ou les interprétations qui au fond deviennent caduques ou sont moins intéressantes aujourd'hui, après ce travail, et vers quel type d'autres réflexions philosophiques au sein du spinozisme elles ouvrent, elles invitent les jeunes chercheurs. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce clair. Que apporte d'un point de vue philosophique, puisque moi je te connais depuis très longtemps, et je sais... ton attachement à la philosophie au sens de ce que tu as rappelé tout à l'heure. C'est-à-dire que ce travail n'a pas une fin en soi. Il est préparatoire, il alimente le spinozisme de l'intérieur. Et parce que ça, c'est une question que me posent souvent les étudiants. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Vers quoi ouvre le Spinoza pour notre monde, le monde dans lequel nous sommes et le monde que nous sommes, comme tu as très bien dit. Voilà. Quelles sont les orientations de recherche à venir sur la base de l'expérience que tu as mûrie pendant toutes ces années de la lettre de Spinoza?
Oui. Ça, peut-être, ce n'est pas Pierre-François qui pourra le dire, parce que chaque lecteur trouvera... Par exemple, moi, j'ai trouvé un changement qui... Par exemple, la gloire, ce n'est pas une joie avec une cause extérieure, mais avec une cause intérieure qui élimine beaucoup de discours sur, sur les affects spinozistes qui m'intéressaient et que moi, je trouvais très bien vu. Donc, ça, je ne voulais pas. Qui parle? Ah, Francesco. Ah, je ne te vois pas. Oui. Eh bien, donne ton interprétation, alors. Ah oui, je te vois, là. Non, non, mais je voulais seulement... Je ne voulais pas te doter la parole. Je voulais un texte, c'est un texte. Et après, les interprétations viendront sur la base, on espère, de la lecture de ce texte-ci, qui change... dans de petits détails qui peut-être seulement les obsessifs, ceux qui sont obsessionnés par ce même détail remarqueront. Bon, moi, et beaucoup, voilà. Peut-être toi aussi, tu ne sais pas ce que toi fais en ce sens. Je t'entends très bien. Bon. Moi, je vais répondre pour moi et Pete répondra pour lui. Moi, ce travail sur l'éthique, ça m'a d'abord convaincu d'une chose, c'est de l'importance énorme je l'ai dit tout à l'heure, mais des passions de l'âme de Descartes pour comprendre Spinoza. Il y a bientôt 50 ans, dans mon premier livre, qui s'appelait Spinoza, tout court, j'avais commencé en disant l'autre de Spinoza, c'est Descartes. Et je voulais dire, l'adversaire de Spinoza, c'est Descartes. Et maintenant, si je devais le réécrire, après avoir traversé la traduction de l'éthique pendant tant d'années, je dirais, l'autre de Spinoza, c'est Descartes, en deux sens, c'est à la fois son adversaire et sa source. Et le répertoire où il va chercher de quoi classer, décrire les passions, de quoi les expliquer. Et bien entendu, sur chacun des points de cette description, de cette explication, il prend ses distances à l'égard de Descartes. Mais je suis de plus en plus persuadé qu'on ne comprend pas du tout les trois dernières parties de l'éthique si on ne les confronte pas terme à terme avec ce que Descartes a dit là-dessus. Et j'ajouterai maintenant, quelle interprétation ça périme, puisque ça c'était ta question. À mon avis, ça périme les interprétations panthéistes, spiritualistes, parce que plus on travaille sur le texte de l'éthique, plus on se rend compte que le but de l'éthique, c'est de construire ce que c'est qu'un individu, avec son conatus, ses passions, ses actions, sa mémoire, son rapport à autrui, etc. etc. Et même, dans les propositions 35-37 de l'éthique 3 et 4, et l'appendice de l'éthique 4, et de ses rapports à autrui. Donc, on voit qu'il y a chez Spinoza un naturalisme, un individualisme, et j'ose dire matérialisme, qui rendent insoutenable, je pense, maintenant, toutes les interprétations qui autrefois disaient Spinoza balaye l'individu, dissout l'individu dans la divinité, dans la totalité du monde, etc. etc. Donc, je pense que toutes ces interprétations spiritualistes ne sont plus tenables une fois qu'on a prêté suffisamment attention par exemple, à tous les verbes par lesquels Spinoza a décrit les mécanismes des passions. Je crois que ça, on ne les a pas assez étudiés. J'ai essayé de le dire parfois dans des notes, mais l'individu, c'est aussi un système de mécanique des passions pour lequel Spinoza a un vocabulaire très rigoureux auquel les commentateurs n'ont pas prêté assez attention. Donc, je crois qu'à partir de ça, on peut ouvrir maintenant des interprétations de Spinoza sur
Alors, il y en a hein, déjà sur Spinoza et la psychologie, la sociologie, les sciences humaines, non pas du tout pour dire que c'est pareil, mais pour dire que la machine du système spinoziste fournit des instruments de pensée pour étudier ce qu'est un individu, comment il fonctionne et comment il se relie aux autres individus et comment il se relie, par exemple, les institutions. Et pour comprendre que ce n'est pas du tout un simple miroir de l'un dans l'autre, ni une simple excroissance de l'un sur l'autre. Voilà, mais peut-être que Pete verra ça autrement. Non, je suis d'accord, mais ah bon, vous pouvez m'entendre, oui? Oui, oui. Ah oui, très bien. Donc, quant à moi, la différence que cette édition pourrait faire pour la recherche spinoziste, cela serait peut-être sur le plan de la première réception de Spinoza. Ce qui est important, c'est de comprendre que la traduction de Balling, l'ancienne traduction de l'éthique de la première partie, avait circulé dans le cercle des amis de Spinoza. Ils ont écrit leurs commentaires, leur interprétation dans le texte même. Et les écarts entre la traduction de Nach Later Schrift et de l'éthique n'est pas une sont pas des écarts entre deux versions de l'éthique que Spinoza avait écrit, comme l'a cru Gebhardt. Et c'est une interprétation qui se trouve encore dans les commentaires, dans les traductions, etc. Et cela, je crois, c'est tout à fait… on peut laisser tomber ces écarts comme des leçons de l'auteur Spinoza. Ce sont des leçons des amis de Spinoza dans la première réception. Et c'est très important, la première réception, parce que ses amis étaient des cartésiens qui ont voulu comprendre Spinoza à partir de leur lecture de Descartes. Également, la première réception était aussi, on peut voir aussi cela dans leur traitement de l'ordre géométrique, la façon dont les éditeurs des opéras posthuma ont employé la formule, etc., de l'ordre géométrique, et ça témoigne d'une certaine obsession avec un système rigide et exact. Et c'est une rigidité qui Spinoza lui-même n'avait pas eue. Et je crois que dans notre édition, nous avons souligné dans les annexes et dans les notes, etc., cette différence entre ses amis éditeurs et Spinoza lui-même. Donc, on peut voir comment Spinoza a lui-même utilisé l'ordre géométrique. Il a été beaucoup plus relaxed, beaucoup plus moins strict que ses amis. Et ça aussi, ça a quelque chose à notre compréhension de Spinoza, de sa première réception, de la manière dont il fonctionna dans ce cercle des amis, dont les contemporains de Spinoza l'ont lu. Et c'est aussi quelque chose, là je trouve, ça serait une voie de recherche utile aussi pour les jeunes chercheurs, d'essayer de trouver la position de Spinoza dans son temps, dans la latinité de son temps, dans la réception de la philosophie néoscolastique, dans la réception de la méthode euclidienne, etc. Ça serait, si notre édition pouvait contribuer à une telle ligne de recherche, ça serait beaucoup une réussite. Merci. Merci beaucoup. Je vois que Maria-Franca Spallanzani veut intervenir. Maria-Franca? Oui, merci. Je me donne, oui, j'ouvre toutes les fenêtres. Et donc, non, je voudrais avant tout remercier Pierre-François Steinbacher pour cette présentation d'un ouvrage
absolument formidable et absolument... j'imagine tout le travail que cet ouvrage a coûté. J'interviens maintenant parce que, en fait, vous avez évoqué la Descartes. Et lorsque avec Diego Donna, on joue à l'histoire de la philosophie, et moi je suis Descartes et lui il est Spinoza, nous on a toujours remarqué qu'il y a seulement deux noms propres dans l'éthique, et le premier nom c'est Dieu. Et le deuxième, c'est Descartes. Et avec une inversion extraordinaire du nom de Dieu, c'est-à-dire que si saint Thomas définit la substance comme un nom de Dieu, Spinoza fait l'inverse et définit et convoque le nom de Dieu pour nommer la substance, comme le nom de la substance. Et donc, ça, c'est absolument intéressant. Quant au nom de Descartes, j'ai toujours pensé que, bien sûr, la présence de Descartes est absolument fondamentale pour ce qui tient des affects, des passions, même avec tout le débat et toutes les critiques et toutes les controverses que Spinoza soulève à ce sujet. Oui, peut-être que oui, Cicéron, mais Cicéron, c'est un nom commun. je pense que la présence de la philosophie de Descartes, de toute, disons, de la révolution cartésienne, on la voit, à mon avis, même dès la première proposition. Parce que, enfin, la première proposition, la première définition, dans laquelle s'introduit la causa sui, il y a toujours une première personne qui introduit cette définition. Si nous regardons les définitions, disons, euclidiennes, les définitions euclidiennes sont toujours à la troisième personne. Le point est le point 1. Ici, il y a toujours une première personne, intelligo, qui introduit comme si, disons, même dès la première définition, on est devant une expérience plutôt qu'une, disons, froide définition. C'est-à-dire que la leçon du cogito, c'est-à-dire que la première personne dans la philosophie, le sens de la première personne qui fait une expérience de la philosophie et qui ne se borne pas à des définitions, disons, à la troisième personne. Je pense que ça, c'est vraiment très, très intéressant, parce que même si, of course, la présence du ego n'est pas évidemment possible dans la philosophie de Spinoza, parce que dans la troisième partie, il affirme que l'auteur ne doit pas mettre son nom parce que évidemment il se voit comme le spectateur, celui qui transcrit le mouvement de la substance de façon absolument impassible, d'une certaine façon. Et donc, il n'y a pas le ego fondateur de Descartes, ce qui serait vraiment contre, anti-spinoziste absolument. Mais il y a toujours cette forme de la philosophie qui, même dans l'ordre géométrique, d'ailleurs Descartes lui-même, dans la deuxième réponse,
c'est cet ordre géométrique, il y a toujours, il y a dès Descartes l'idée que la philosophie soit avant tout une expérience. D'où, à mon avis, l'idée de commencer par un intelligo. Et donc, non, on aurait pu mettre la cause de soi et ce qui implique l'existence. Mais au contraire, il y a cet ajout, disons, moderne, hein, d'une philosophie moderne dans laquelle l'expérience du philosophe est aussi importante que la philosophie elle-même. Je ne sais pas si c'est ma lecture de l'éthique, où je suis aussi, par exemple, deuxième partie, l'ordre géométrique est plus faible et on introduit, Spinoza introduit Quasimano, une philosophie dans laquelle Quasimano, Spinoza lui-même amène les lecteurs dans la lecture du texte. Bon, je vous remercie de cet admirable ouvrage qui est dans ma bibliothèque avec Descartes, hein, tout près de Descartes, bien sûr. Merci de tes remarques. Dans le court traité, dans la Korte Verhandlung, Spinoza, au fond, comme Descartes, comme plus tard Leibniz, comme Hobbes, a inséré un dialogue. Moi, ça me paraît intéressant qu'au XVIIe siècle, les philosophes, tous les grands philosophes du XVIIe siècle, pensent à insérer des dialogues. Et moi, j'aurais tendance à penser que le Quasimano, c'est la présence du dialogue dans l'éthique. Oui. C'est le fait que le philosophe mentionne qu'il a un interlocuteur ou quelqu'un avec qui il va travailler. Donc, ce que tu remarques à très juste titre, comme par la main, ça reprend la présence implicite. Ça fait apparaître la présence implicite de la structure dialogique de l'éthique. Oui. À part ça, il y a un autre nom propre dans l'éthique, à part Dieu et Descartes. Il y a Moïse. Yeah. Ah ben oui, bien sûr. Dans la scolie de 468. Oui, oui, oui. Donc voilà, Moïse se trouve entre Dieu et Descartes. Oui, bon, oui. Est-ce que on pourrait spéculer là-dessus? Est-ce que Moïse est le bon interprète, le bon prophète de Dieu, ou est-ce que c'est Descartes qui est le meilleur prophète? Enfin bon. Oui, oui, ça c'est intéressant. Y a-t-il d'autres questions? Il y a Moïse, il y a aussi le Christ. Hein. Oui. Oui, bien sûr, mais. c'est son personnage implicite. D'autres questions? Roberto, évangéliste, ti vedo connesso, no? Alors, si nous n'avons pas d'autres questions, merci à tous à ce point, et surtout au professeur Moreau et Pilstenbacher pour cette leçon sur comment faire de la traduction un vrai exercice, je dirais, d'histoire de la philosophie. Je ne parlerai pas d'herménétique faible à la fin du compte, je parlerai d'herménétique forte dans la mesure où elle est enracinée dans la matérialité des textes et des problèmes conceptuels, philosophiques que les textes expriment. Je ne suis pas si d'accord avec cette définition d'herméneutique faible. Une herméneutique discrète, disons. Discrète, voilà. C'est mieux. Mais une réalité très forte, je pense. Une réalité très forte.
Je vous remercie à la fois pour à tous pour l'invitation, pour les questions et pour votre attention. Je suis très heureux, je pense que Pete aussi, de rencontrer un public aussi précis et pointu dans sa lecture. Et quand on vous écoute, on se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien. Donc merci encore. Infatti, grazie, grazie a voi, grazie a Pina Totaro e Lorenzo Di Cicero per, okay. Per grazie, grazie. Grazie. Merci a Pierre-François e a Pierre. Pierre-François, ce sera, si je peux, cette fois, tu es per immaginem, il faudra que tu viennes à Bologne même... in persona. On essaiera. Nous sommes pris dans une connaissance très inadéquate, encore très inadéquate. Oui, 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 absolument, absolument. Allora lasciamo spazio allora alla riunione dei soci della Societas. Grazie a tutti di oggi. Grazie, grazie, grazie ancora a tutti. Grazie, grazie professor. Grazie. Grazie, grazie, grazie Lorenzo. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie, ciao Lorenzo, ciao Diego. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Grazie a voi. Grazie.